Ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique, même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Kondiamu Africa, mon laïnia. Manejamu Africa, moi sonyo na tangé. Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être là pour ce rendez-vous, pour cette célébration intellectuelle autour de la figure intellectuelle et autour de la pensée de Frantz Fanon. Alors, la première leçon était consacrée justement à l'œuvre, une de ses œuvres phares, une de ses œuvres pionnières, à savoir Peau noire, masque blanc. Donc, nous en avions un peu proposé, évidemment, la lecture contextuelle de l'œuvre, son contexte de parution et les grandes lignes de cette œuvre-là que nous recommandons vivement à tous ceux qui nous suivent et à tous ceux qui sont habités par la volonté de se reconstruire intellectuellement, de se reconstruire psychologiquement et surtout de saisir au fondement même les problèmes hérités de la colonisation et de toutes les formes de domination, justement. Donc, aujourd'hui, la leçon 2 sera constituée à une autre œuvre essentielle, là aussi. Les damnés de la Terre. Les damnés de la Terre, c'est un ouvrage utile. Pourquoi? Parce que son actualité, j'ai envie de dire, c'est une œuvre d'actualité. Les thèmes que l'auteur abordait déjà en 1961, et même plus tôt, sont d'actualité. Et on se dit avec tout le brasier culturel et le contexte de néocolonisation qui sévit actuellement, en tout cas, particulièrement en Afrique, il était utile de proposer une sorte de pédagogie de l'œuvre de Frantz Fanon, en l'occurrence, Les damnés de la Terre. Donc, pour en parler avec moi, évidemment, Hans Wilfried Otata, maître des grimoires. On dit quoi, monsieur Otata? Ah, écoutez, monsieur le poète Bungili, très heureux de partager ce moment avec vous et avec tous ceux qui nous regardent en direct et qui vont nous regarder un peu plus tard par le biais de la rediffusion. C'est toujours un plaisir que de partager ces moments-là de réflexion, de proposition avec avec d'autres personnes. On espère que on va pouvoir en tirer quelque chose. Bon, d'ores et déjà, meilleurs vœux à tous ceux qui nous rejoignent, parce que la dernière fois qu'on s'était vu, c'était l'année dernière, je crois. Donc, je te réitère mes meilleurs vœux et j'adresse également les mêmes souhaits à tous ceux qui nous regardent ou qui vont nous regarder un peu plus tard. Ok. Alors, Frantz Fanon en Afrique, brièvement, pourquoi c'est toujours utile de contextualiser cet auteur? Pourquoi c'est utile de le lire à l'aune des problèmes de l'Afrique aujourd'hui? On va dire contextualiser, c'est toujours pour saisir la profondeur, sinon la pertinence du texte pour éviter les hors-sujets
pour éviter les incompréhensions. On aura l'occasion de le voir un peu plus tard que même certaines grandes figures de la pensée, réputées de la pensée entre griffes, ont des fois manqué la signification précise de ce qu'ils voulaient dire parce qu'ils sont sortis de la contextualisation. Et puis pourquoi lire Frantz Fanon aujourd'hui? Simplement parce que c'est ce que j'appelle un prophète social, c'est-à-dire à l'aune de la réflexion. C'est des gens qui arrivent à pressentir ou à sentir ce qui n'est pas encore arrivé, ou bien la possible conséquence ou le possible devenir de ce qui est en train de se passer. C'est pourquoi il est important de lire des gens comme Frantz Fanon. Donc oui, le contexte, justement, on parle de contexte de l'ouvrage. Moi, j'ai retenu, tu pourras rajouter d'autres aspects. Sur le plan contextuel, moi, je saisis deux faits majeurs, c'est-à-dire Oui. la parution de cet ouvrage-là, l'année même où meurt François, non. Frantz Fanon, mais surtout l'année même où meurt Lumumba. Deux C'est vrai. contextes, deux ouvrages, c'est-à-dire de la même année. On a hérité d'une sorte de grimoire. Moi, j'appelle ça les grimoires parce que certains pensent que les grimoires, c'est les livres de magie, mais ça, c'est la magie intellectuelle. Donc, on a hérité de ce grimoire-là, hein, une œuvre essentielle, donc des damnés de la Terre. Et en même temps, on a perdu deux penseurs, deux intellectuels, en fait. Et pas n'importe quel intellectuel, on reviendra tout à l'heure là-dessus. Ce sont ceux qu'on appelle des intellectuels organiques. Ceux qui ont la science, mais qui restent quand même liés au peuple pour traduire ses aspirations. Donc, ce sont les deux faits majeurs. Et on pourrait ajouter aussi qu'en 1961, quand paraît Peau noire et masque blanc, le processus de décolonisation est amorcé. Décolonisation dont on sait que dans la large majorité des cas, elle est factice. L'œuvre aussi paraît à un moment où une bonne partie aussi de l'Afrique, notamment l'Afrique australe, est encore sous domination. On parle de Mozambique, on parle du Zimbabwe, dans Zimbabwe qu'a chanté Bob Marley d'ailleurs. Et Oui. dans le même sillon, on peut souligner que sur le plan personnel, Frantz Fanon écrit cet ouvrage alors qu'il est déjà atteint du cancer. Donc, de la leucémie qui l'attaque. Il a fait des soins, il est allé faire des soins, notamment en Russie. Et là, aujourd'hui, c'est le comble de l'ironie. Donc, ça c'est l'ironie de l'histoire. Comme par hasard, la Russie est toujours là, mais à l'époque, c'était l'URSS. Donc, il est allé faire des soins, il est revenu un peu requinqué et tout. Ça lui a permis de terminer l'ouvrage. On pensait qu'il s'en tirerait, mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Malheureusement, il est décédé juste au moment de l'apparition de son ouvrage. Et il faut saluer ici l'éditeur qui, à l'époque, avait pris je pense, c'est Maspero, Maspero, qui qui avait était de tous les combats, hein, voilà. avec le mouvement indépendantiste. Voilà. Donc là aussi, c'est pour rappeler que à cette époque-là aussi, il y avait des maisons d'édition, des éditeurs qui avaient pris fait et cause pour l'émancipation de l'homme, finalement. Parce que et je le dis d'entrée, la pensée de Frantz Fanon, c'est que finalement l'homme soit émancipé. Et il le dit quelque part dans l'ouvrage, le plus important dans la lutte, c'est qu'au final, après la lutte, il va falloir que le colonisé aille à la rencontre de l'homme, à la rencontre de l'humain. Voilà. C'est-à-dire que qu'on se débarrasse de l'excédent de violence dont on a hérité pour fabriquer une société qui promeut, qui valorise davantage la l'émancipation des uns et des autres. Donc voilà un peu. Peut-être que Nanda va nous rejoindre tantôt parce qu'elle était supposée prendre quelques questions ou à superviser la partie des internautes s'il y avait des questions. Donc là voilà pour le contexte. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter sur le contexte? Parce qu'on sait que le 6 décembre, on retient le 6 décembre 1961, Frantz Fanon nous quitte après avoir laissé cet ouvrage-là et bien d'autres d'ailleurs. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter sur le contexte? Non, 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 juste peut-être sur le contexte en lui-même, pas du tout. Juste revenir sur l'aspect des éditeurs qui accompagnaient, parce que des éditeurs qui accompagnaient les pensées puissantes en fait, qui étaient produites et
derrière, il n'y avait pas simplement l'intérêt, il n'y avait pas simplement l'intérêt économique, c'est-à-dire qu'on corroborait l'ambition avec, l'ambition avec la passion d'un sujet puissant, tu vois. Ouais. Une pensée qui apportait à l'humanité. Et quelqu'un comme Maspero aussi, je crois qu'il était du combat avec Mongo Betty quand on a sanctionné son œuvre Remember Ruben. Ouais. Non, avant, pardon, qu'est-ce que je raconte? Quand on a censuré Mbas sur le Cameroun, l'autopsie d'une décolonisation, que Mongo Betty a publié quelques années plus tard sous forme de fiction avec Remember Ruben, c'est lui qui a lu au tribunal contre le ministère des Affaires étrangères et de l'Intérieur qui avait tout fait pour que l'œuvre soit sanctionnée. Celui qui a réussi à obtenir des... Si je ne me trompe pas, hein, je crois que c'était le même éditeur, sauf si je fais erreur, c'est lui qui a réussi à obtenir que la décision soit cassée afin que l'œuvre puisse circuler. Donc j'aimerais saluer ce genre d'éditeurs-là qui ont derrière, avant l'intérêt économique, élaboré une ambition de la pensée, en fait. Ouais. Et ceci pour dire, pour reprendre le terme de quelqu'un, en fait, la littérature, ce n'est pas un jeu. Tu vois, je crois que c'est Milan Kundera qui disait que la littérature, c'est quelque chose de sérieux. Voilà. Et lorsqu'on valorise la littérature, justement, c'est parce qu'elle a été aux premières heures, justement, de l'émancipation de l'individu. C'est parce qu'elle a accompagné des luttes, elle a accompagné des lutteurs. On sait que beaucoup de gens en prison ont commis des œuvres en prison. Beaucoup ont eu la force de lutter en prison parce qu'ils se sont réfugiés dans les livres, dans la littérature. Donc la littérature sert à émanciper l'individu. Alors aujourd'hui, on a évoqué justement le contexte de l'ouvrage. On va revenir sur le style de Frantz Fanon. Pourquoi c'est un auteur plaisant, agréable à lire. Mais surtout, les grandes idées de l'œuvre. Okay? Dans les grandes idées de l'œuvre, tu souhaitais nous interpeller sur la question de la violence et la figure problématique de l'intellectuel colonisé. Donc, on commence par quoi? La question de la violence. On va commencer par la violence. Déjà souligner que contrairement au dernier exposé, enfin, quand je dis exposé, notre dernière intervention, on était parti sur le résumé chapitre par chapitre, mais pour cette fois, on va faire différemment. On va extraire les deux idées, on va dire les idées les prépondérantes dans le texte, en fait. Il y en a sûrement d'autres, mais celles qui, d'entrée, se font remarquer, c'est la question de la violence et aussi la question de l'état-nation post-colonial dans laquelle on identifie l'intellectuel et le politique colonisé, en fait. Donc, la figure problématique. En ce qui concerne la violence, ce qu'on peut dire d'entrée, c'est que Fanon nous explique que lorsqu'on rentre dans un environnement de colonisation, dans un système de colonisation, on rentre d'emblée et de facto dans de la violence. C'est-à-dire que quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, que l'on ait choisi ou pas, on se retrouve, autant pour moi, dans un environnement violent. Donc, pour Fanon, la colonisation, la domination crée de facto un écosystème violent. Tout commence par le fait de nier à l'autre son humanité. C'est quelque chose de très violent. Et Fanon utilise une phrase qui est très forte. Il dit, lorsque le colon prend sur lui de se faire maître du colonisé, il fait du colonisé la quintessence du mal. C'est-à-dire, tout ce que le colonisé incarne ou représente est mauvais. Sa foi est mauvaise, la manière de prier, donc la référenciation aux ancêtres, c'est mauvais, sa manière de parler, donc sa langue, est mauvaise, son système sociopolitique est prélogique, lui-même ce n'est pas un homme, c'est un sous-homme ou bien c'est un déshumanisé qu'il faut humaniser. Chez certaines personnes, ça crée des tensions et vous avez des romans tels que Le Monde s'effondre où vous voyez le personnage d'Okonkwo qui perd la maîtrise de lui-même à un moment donné et finit par se suicider parce qu'il n'accepte pas d'être transporté dans un environnement culturel qui ne correspond pas à celui qu'on a de départ, en fait. Et chez beaucoup d'Africains, ça crée ce qu'on appelle une tension, un trouble, des troubles mentaux, si on doit rester dans le cadre de l'Afrique qui nous intéresse.
Et il y a beaucoup de personnes à l'époque, quand il y a eu l'entrée de la pensée colonialiste, ben, il y a des gens qui ont été enfin, désabusés, des gens qui étaient perdus. C'était extrêmement violent qu'on vienne leur dire que tout ce sur quoi votre être était assis n'a aucune valeur. Et c'est quelqu'un de l'extérieur qui vient vous le dire. La deuxième forme de violence, c'est la violence physique. C'est-à-dire que en dehors de la violence conceptuelle, celle qui est discours, celle qui est idée, il y a aussi la violence physique. Le colonisé prend sur lui de se faire le gendarme ou la police de l'espace colonial. C'est-à-dire, il dit, le colon, pardon, le colon se fait le gendarme ou la police de l'espace colonial. Il dit au colonisé ce qu'il ne doit pas faire ou ce qu'il doit faire. C'est lui qui délimite le cadre. Ça se traduit sur le plan concret comment? Eh bien, vous avez par exemple au Cameroun des pancartes qui inscrivent, sur lesquelles il est inscrit endroit interdit aux nègres et aux chiens. C'est-à-dire que ce sont des endroits extrêmement extrêmement réservés aux colons, où le colonisé n'a pas le droit d'être. Dans certains pays, dans certaines zones géographiques africaines, lorsque le colon préférait certains aliments, il était interdit aux colonisés de consommer la même chose, alors que généralement, c'était des aliments de sa culture, tu vois. Et c'est comme ça où, par exemple, cette violence physique s'était incarnée, parce que c'est une espèce de ségrégation, une apartheid, s'est incarnée notamment à Douala, où le colon décide d'exproprier des autochtones de plusieurs terres, des terres ancestrales, pour construire un quartier réservé uniquement aux colons. Et le roi de l'époque, le roi des Douala, n'étant pas en harmonie évidente avec avec ce type de pratique, décide d'opposer une résistance. Et il finit pendu avec d'autres, parce que finalement, ils vont essayer de mettre en place un espèce de projet de résistance collective qui réunissait différentes communautés autochtones, mais qui a été su par la mauvaise appréciation d'un autre chef autochtone de l'Ouest. Donc, la colonisation n'est pas seulement que mentale, mais la violence n'est pas seulement que mentale, n'est pas seulement que idée, n'est pas seulement que discours. Elle est aussi expression d'une violence physique du colon à l'endroit du colonisé. Et devant cette expression-là, du physique agressif, une espèce de police, ben, le colonisé lui-même aussi ressent une espèce de frustration, ce que Fanon appelle des troubles mentaux, en fait. Donc, il a aussi besoin, lui, d'équilibrer cette violence-là. Mais seulement, comme il ne peut pas l'exprimer sur le colon, parce que le colon, comme tu dis souvent, il est surprotégé. Il a la force physique de son côté, donc la police, la gendarmerie, les troupes coloniales sont à son avantage. Eh ben, le colonisé frustré d'être tapé, d'être insulté, d'être proscrit de certains lieux, d'être proscrit de certaines pratiques, et dans, on va dire, l'obligation conditionnée d'exprimer cette frustration. Mais comme il ne peut pas toucher celui qui est l'origine de cette dernière, il va se tourner sur son frère, sur un autre colonisé comme lui. C'est ce qui, en Afrique, par exemple, pendant longtemps, a expliqué les violences sociales entre colonisés, entre Africains. Et Fanon nous explique que lorsqu'on veut sortir de la colonie, de la domination, si on ne traite pas ces questions sur le plan psychologique, eh bien, elles ont tendance à évoluer avec nous et à se transmettre de génération en génération. Et beaucoup de personnes font un rapprochement d'ailleurs entre les troubles, par exemple, en Afrique du Sud, où certains citoyens noirs, africains, avaient tendance à se défouler sur les Africains qui venaient d'autres pays, notamment les Zimbabwéens, comme quoi vous nous prenez notre travail, comme quoi vous êtes indésirables, avec une extrême violence. On a vu les événements récents encore où les Nigériens ont dû rétorquer. Normalement, dans leur pays, les citoyens nigériens ont commencé à brûler les commerces sud-africains. Et ça a créé comme une espèce de crise diplomatique où chacun était obligé de défendre ses intérêts. Et en fait, c'est Fanon l'explique déjà. Il a une phrase précise. Il dit, alors que le colon et le policier
peuvent à longueur de journée frapper le colonisé, l'insulter. Le dominé ressent le besoin d'exprimer et de défendre sa personnalité sur son frère. Parce que je ne peux pas toucher le colon, je ne peux pas toucher le dominateur, puisqu'il est surprotégé. Et bien, pour évacuer cette frustration, généralement, on s'en prend à son frère qui est vide de défense. Et un exemple qui est très simple, c'est celui quand on est enfant, vous voyez, on vous punit, on vous tape. On vous donne une fessée parce que vous n'avez pas été sage. Mais généralement, comme vous ne pouvez pas rendre à vos parents, le premier de vos frères qui va rigoler, il va écoper de votre frustration. C'est le même procédé, en fait, chez les adultes. Et c'est pourquoi Fanon parle des troubles mentaux qu'il faut guérir pour aller à la rencontre de l'homme. C'est très important. Le dernier aspect de la violence que je voudrais exprimer, c'est que lorsque dans un contexte colonial, il est possible, et dans beaucoup de cas c'est arrivé, que le colonisé, pour se sortir des griffes de la domination, lui-même utilise une violence pour se libérer de l'oppression. Et le fait que Fanon ait assumé ce discours-là a fait en sorte que beaucoup de personnes qui n'ont pas contextualisé l'œuvre, qui le lisent aujourd'hui, font de lui un théoricien du terroriste. Ils disent que c'est quelqu'un qui a une pensée violente. On ne va pas se cacher, on ne va pas dire du mal de lui, mais on va citer son nom. Vous avez quand même des figures qui comptent en France, parce qu'il faut dire que qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, ce n'est pas le plus important. Michel Onfray, c'est un des auteurs les plus bankable du moment. C'est quelqu'un qui vend beaucoup de livres, il publie régulièrement, il a plus de 100 bouquins, à plus de 3 par an. Nous ne jugeons pas ici sa pensée dans l'intégralité. Nous parlons de l'approche qu'il fait des travaux de François Fanon. Et ce n'est pas le seul. Il y a beaucoup d'autres personnes, des universitaires, qui écrivent sur lui, qui disent « Oui, c'était un grand intellectuel. Oui, il a dit des choses sensées, mais on regrette chez lui le fait qu'il assume qu'à un moment donné, on a le droit d'utiliser la violence pour se sortir de la domination. » Mais le souci, c'est que Fanon, lui, il précise bien les choses. Comment le colonisé vient à faire usage de la violence pour tenter de se libérer de la domination? Il prend un exemple. Donc, quand il arrive et là, je fais un rapprochement avec un discours qui est généralement dans des collections ou dans des mélanges associés aux données de la Terre. C'est le discours qu'il fait au Ghana dans les années 50, je crois en 54. Il arrive au Ghana et avec une forme d'humilité. Il aurait pu dire que oui, il vient de la France, il vit en Europe, il a une certaine célébrité, il a un certain vécu en tant que résistant, en tant qu'intellectuel. Il arrive, il dit, sur un colloque organisé sur le panafricanisme et la colonisation, je crois. Il passe après Kwame Nkrumah, l'organisateur, beaucoup ignorent que c'est un bon philosophe, un grand philosophe aussi, et beaucoup d'autres encore. Il dit, je suis mal placé pour venir dire à des gens qui subissent ou qui ont subi au quotidien la colonisation, venez vous dire ce que c'est que la colonisation. J'ai entendu Kwame Nkrumah parler tout à l'heure, le professeur Kwame Nkrumah, c'est tellement clair. Par contre, je viens vous dire pourquoi à un moment donné, en tant que colonisé, on va être obligé de passer à la lutte armée, donc à la violence. Parce que tout commence, et là il prend l'exemple de l'Algérie, il dit tout commence lorsque le colonisé produit un discours d'émancipation. Il dit aux colons, maintenant que toi et moi nous avons constaté en toute véracité que le procédé de domination n'est pas bon, n'est pas juste et me frustre au moins, puisque tu prétends avoir des valeurs d'humanité, ben je te dis qu'au nom de ces valeurs d'humanité, l'univers qui en émerge, le monde décomplexé qui en émerge, je prends ton expression monde complexé, eh bien, il est injuste. Nous devons trouver, toi et moi, le moyen de sortir de cet aspect-là pour que je reprenne possession de ma personne, de mes biens et de mes terres, de ma dignité. Et Fanon dit, devant ce discours-là, la réponse généralement du colon, c'est la police, c'est la violence. C'est quoi? C'est des actes agressifs.
La coercition, la prescription. Je prends un exemple. On va prendre un exemple concret. C'est ce qui a fait naître le FLN. Je ne parle pas du FLN aujourd'hui. Je dis dans ses origines. C'est ce qui explique la lutte armée du FLN. Devant cette fin de non-recevoir, eh ben, quand quelqu'un vous donne une gifle à un moment donné, vous devez rentrer en résistance pour ne plus prendre cette gifle-là. Et il y a des gens qui sont dignes jusqu'au bout. On a eu le même cas au Cameroun. Vous avez une formation telle que l'UPC. Un des leaders, le secrétaire général de l'UPC, Ruben Oumniobé, qui a été assassiné, je crois, en 58, est allé même devant l'ONU proposer la décolonisation progressive du Cameroun pour arriver à l'indépendance. Il explique ceci. Nous ne pouvons pas, de manière automatique, prétendre à l'indépendance. Il faut un transfert de compétences. C'est-à-dire, petit à petit, vous vous retirez et nous reprenons le contrôle de notre terre. Qu'est-ce qu'ils ont reçu ensuite? La sourde oreille de la Société des Nations. Rien de l'ONU. Rien, on ne leur dit rien. Et arrivés sur le terrain, ils sont allés aux élections pour essayer de prendre, le pouvoir par les institutions. Et il y a un très bon philosophe qui s'appelle Joseph, j'oublie son nom, c'est un mec des Caraïbes. Son nom me reviendra un peu plus tard. En tout cas, son nom de famille, c'est Joseph. Il explique comment il y a eu des manigances politiques avec démonstration pour que l'UPC n'arrive pas aux affaires. Ce qui fait que le populaire Ruben Oumniobé perd les élections. Après avoir perdu les élections, ils ont commencé à organiser des marches. En 55, cette marche est réprimée dans le sang, il y a des morts et leur parti est interdit. Devant une telle attitude, que faites-vous? Eh bien, ils sont rentrés dans le maquis et ils ont pris les armes. Voilà ce que Fanon explique. Qu'à un moment donné, si on veut vraiment vivre la fin de la domination, on va devoir, devant le refus de nos revendications verbales, idéologiques, idéales, politiques, devant le refus de l'expression de nos utopies sur le plan physique, on sera obligé d'être violent pour répondre à la violence. C'est bien expliqué. Et pour tous ceux, tels que François Fanon, tels que Michel Onfray, qui ne comprennent pas cela, eh bien je renvoie toutes ces personnes à la Révolution française. À la Résistance française. Devant l'occupation nazie, ben, ils n'ont pas apporté du thé ou du café. C'était soit on collabore, donc on s'incline, soit on résiste. Et aujourd'hui, nous avons le nom des noms tels que Jean Moulin et d'autres personnes encore, tous ceux qui ont suivi de Gaulle, qu'on appelle la France libre, parce qu'ils ont résisté. Et dans leur forme de résistance, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils sabotaient, ils posaient des bombes et posaient des actes violents. Donc, la violence dont il est question ici est une violence qui répond à une fin de non-recevoir d'un discours construit sur l'émancipation. Lorsqu'il est celui-ci est mis de côté, refuté, sanctionné par la police, par la gendarmerie, eh bien, eux, ils répondent à un moment donné par la violence. Et je pense que si on réfléchit bien, c'est totalement logique. Et beaucoup de penseurs qui se prétendent aujourd'hui des gens qui sont amoureux de la liberté, qui font semblant de ne pas le comprendre, soit c'est de l'idéologie, soit c'est de l'ignorance. Voilà ce que je pourrais dire pour l'expression de la violence de manière générale. Mais non, c'est... Oui. Juste une petite pause, c'est-à-dire que la violence conceptuelle, revenir là-dessus, on a évoqué son impact sur le psychisme du colonisé ou du dominé. Ouais. François Fanon explique un peu plus loin ce qu'il a observé, par exemple, comment ça se manifeste, notamment dans les rêves, puisque bien sûr, un psychiatre, il se rend compte que dans les rêves du colonisé, c'est souvent qu'il court très vite, ou bien qu'il s'envole, ou alors qu'il rit aux éclats. Donc, en fait, le fait qu'on mette le colonisé dans une sorte, il est circonscrit, placé, assigné à résidence, lui, il vit sa liberté dans le rêve. Bien sûr. Voilà. Et ça rejoint un peu ce que dit Pierre Kavakenenge, mais sa liberté, c'est quand il dort. Donc, il y a un double sens qu'on peut accorder à cette phrase-là. C'est-à-dire, est-ce qu'il était au courant de ce qu'a dit François Fanon, ce qu'a écrit François Fanon sur le rêve? Oui. Tu vois? Je vais citer un artiste gabonais dont je ne suis plus très proche par la musique aujourd'hui,
Mais à l'époque, c'était le cas. Il a dit quelque chose. Si tu meurs dans, si je meurs dans mon rêve, c'est que je meurs dans ma réalité. Oui, ça c'est Frank Bapunga. Ouais. C'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire, il y a la volonté. Donc, on peut aussi dire que malgré cette violence conceptuelle où on vous interdit ou on vous réduit à néant conceptuellement, il y a quand même la survivance aussi de ce besoin-là, en fait, dans, dans le rêve. Et on voit quelle est la, la nécessité justement du rêve. On parle de rêver, rêver, I have a dream et tout le reste. Et qu'à un moment donné, vous êtes obligé d'en arriver à une violence physique. Si on, oui. on ne vous comprend pas, parce que ça vous frustre. Mais, et surtout, surtout, que le, la, surtout que la dimension du rêve, elle est tellement importante. Pourquoi ? Parce que c'est comme si voilà, on refoule. Tout ce que tu réprimes dans la vie de tous les jours te revient en rêve, mais bien comme, sûr, pour, sûr. Comme une piqûre de rappel pour te dire, mais bien sûr. Tu n'as pas le choix que de revenir à cela. Alors, revenir aussi sur la violence physique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand le colonisé propose un discours d'émancipation, ce n'est pas juste parce qu'il dit, bah oui, vous nous avez trop fait souffrir. C'est aussi parce que le colonisé s'est saisi des textes du colon. Donc, bien sûr. Les notions de liberté, une notion d'égalité, ils oui. connaissent c'est quoi la révolution. Et le moment clé, en fait, de tout cela, c'est la Seconde Guerre mondiale. Mais on est allé pour vous libérer, et c'est ce qui fait le schisme, le clash, en fait, quand Fanon rentre en conflit avec la France, justement, c'est cette France-là, la France pour laquelle lui, il s'est battu contre l'occupation allemande, la même France qui refuse aux gens de, d'être émancipés. Ouais, la France politique de l'époque, c'est effectivement ça. Et c'est en cela que Césaire parlait de civilisation qui ruse avec ses principes. C'est exactement. Ça. Et là, il disait, une civilisation qui ruse avec ses principes, c'est une civilisation atteinte ou moribonde, tu vois. Mmh. Et donc, pour montrer que si, vous, êtes, si vous, êtes, vous prenez les valeurs de liberté, d'égalité, d'humanisme, tout ce que vous voulez chez vous, et que vous en arrivez à faire le contraire, mais votre civilisation, elle est morte en réalité. Parce que exactement. Vous auriez dû être les porte-parole de cette liberté, de ces valeurs-là, partout dans le monde, pour en faire des choses universelles. Mais non, vous prenez des choses chez vous et vous, vous faites l'inverse ailleurs. Et parce c'est... que ce qu'on a voulu aussi faire croire, beaucoup continuent de diffuser ce type de pensée, c'est faire croire qu'à l'époque, c'était tous un même pays, donc ça veut dire que c'était la continuité des nations dominatrices. Non, dans la même nation, tout le monde n'avait pas les mêmes droits, donc il n'y avait pas l'égalité des sujets. Et pour preuve, pour passer l'agrégation, quelqu'un comme Senghor, il a dû obtenir une autorisation qui a été favorisée par le député sénégalais à l'Assemblée de l'époque. Et ça prouve à suffisance que vous n'étiez pas pareil. Vous n'étiez pas pareil. Donc, il y a clairement une inégalité des sujets entre le colonisé et le colon. Le colonisé est clairement celui qui n'est pas humain, qu'on doit humaniser. Et malgré tout ce qu'on peut lui enseigner, il ne sera jamais capable d'être au niveau du colon. C'est ça, c'est ce que le Bungui, le passe grand bon, appelle le monde complexé. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est des frontières qu'on ne dépasse jamais. On te dit juste comment tu dois te comporter et les limites que tu ne dois jamais dépasser. Ouais. Alors, je rappelle à ceux qui nous suivent qu'ils peuvent poser des questions. Ce serait très intéressant que ce soit interactif et que dans le même temps, on a reçu notre Mami Wata, notre génie, notre... voilà, je ne sais pas qui a frotté la lampe pour que le génie sorte. Mais on est avec, moment. Nanda est avec nous. bonsoir, bonjour au Gabon. Bonjour les gars. Comment vous allez, les messieurs? Ça va, ça va. Merci d'apporter une touche particulière à ce live. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire par rapport à ce qui s'est déjà énoncé depuis le début de ce live? Sinon, on poursuit avec la question de la conscience nationale ou de la figure problématique de l'intellectuel. Bon, je vais être brève. Hein. Déjà, moi, je n'ai pas compris où je ne... Après avoir lu... notamment les damnés de la terre, je ne comprends pas pourquoi en fait Fanon a été accusé, voire condamné comme ça, sans même passer par un tribunal, d'être quelqu'un de
d'excessif, quelqu'un d'assez rude, enfin, Théoricien du théo, on disait que c'était un théoricien du d'extrémiste même. théorisme. Un théoricien, voilà un théoricien de la violence. Pour moi, Fanon explique simplement des faits. Au-delà même de relater le résultat de la violence qui ne peut être que la violence, en fait. La réponse à la violence ne peut être que la violence. Vous l'avez dit tout à l'heure en comparant l'œuvre de Fanon à celle de Césaire dans le discours sur le colonialisme. Mais oui, en fait, il n'y a que quelqu'un de malade qui peut ou qui est capable de produire des faits aussi violents. Il n'y a que quelqu'un de déshumanisé qui peut arriver à déshumaniser les autres. Et c'est ce que Fanon dit simplement. Et j'ai même pas compris, dans la préface de Sartre, là, j'ai pas compris, en fait, pourquoi, quelque part, en fait, il appuie cette idée selon laquelle Fanon serait quelqu'un de, voilà, qui prône la violence, etc. Ben parce que en fait je pense hein, je peux me tromper. Ou ils n'ont pas compris Fanon, ou ils ne l'ont pas lu. La dernière option, c'est ils refusent de penser au-delà de leur nationalité, au-delà de leur culture. Parce que si tu penses en tant que ressortissant du pays dominateur, eh ben, tu as l'impression d'être agressé par le discours de Fanon. Et tu as l'impression d'être accusé. Alors qu'en réalité, lorsqu'on lit Peau noire, masque blanc, il dit bien. Il n'a aucun intérêt à parler des gens normaux, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de complexe, ni d'infériorité, ni de supériorité. Il y a des personnes, quand on cite le nom de leur pays, ils ont l'impression qu'on s'adresse directement à eux. Alors qu'en réalité, on parle d'une idéologie qui est défendue par un groupe d'individus politiques et qui font passer ces idéologies sous forme de loi, sous forme de pratiques politiques. Donc, quand Fanon parle, il ne parle pas des nations entières. Il parle des groupes d'intérêts qui se sont transformés en dirigeants et qui se servent de l'État pour spolier les autres. Sinon, je ne vois pas. Et il y a aussi le problème de la réception. Vous avez des gens qui sont des fous, qui citent Fanon dans leur manière d'agir. Je prends un exemple. Et je ne comprends pas pourquoi quelqu'un comme Onfray, je ne sais pas si c'est une lecture superficielle qu'il a réalisée, puisse tomber dans ce piège, puisque lui-même, dans une émission On n'est pas couché, qui n'existe plus, il disait comprendre le ressentiment de certains musulmans du Moyen-Orient par rapport à l'Occident, du fait qu'ils étaient bastonnés tout le temps par les armées occidentales. Et certains terroristes ont récupéré cet extrait qu'ils ont diffusé dans leurs vidéos de propagande pour dire, vous voyez, il nous donne raison, on a le droit de tuer même ses propres compatriotes. Et il s'était défendu pour dire non, c'est pas ça que je disais. Donc c'est très étrange que certaines figures intellectuelles produisent effectivement ce discours-là. Il me semble, à mon avis, qu'ils ont du mal à penser au-delà de leur origine anthropologique, leur système politique, ou bien ils ne l'ont pas bien lu, ou ils ne l'ont jamais lu. Et c'est de la seconde main. J'ai entendu dire que, ben, du coup, moi aussi, je répète. Et puis pour être un peu plus, j'ai envie de dire plus offensif, en réalité, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas notre condition de dominer, tout simplement, Aussi. ou qui font semblant de l'ignorer. Quand vous lisez, Le Voyage au Congo d'André Gide, vous n'avez qu'une envie, c'est de prendre les armes. Déjà dans les années 40, il dit qu'on nous vendait déjà, il cite le passage, c'est au Gabon, on nous vendait déjà de la marchandise frelatée. Des boîtes de sardines déjà passées de date. Mais c'est un système qui est violent par essence. C'est-à-dire qu'il tire sa légitimité de la violence. C'est-à-dire que c'est ce que Fanon explique. Il n'y a que la violence qui permet au système colonial de s'installer. Mais comment tu veux que je sois là, t'observer, te servir du thé, te donner mes plantations, te donner mes terres, et puis je vais te regarder comme ça? Et on l'a vu dans le roman Le Vieux Nègre et la Médaille. Le vieux Meka, il cède ses terres, il donne tout ce qu'il veut donner à l'église, aux colons. Mais le jour où il doit aller à l'église, il n'est jamais devant. On le met dans un coin. Le jour où il doit être reçu pour la médaille, il est toujours regardé de manière dérisoire. Et après, il se fait bastonner, embrigader, il revient de là-bas méconnaissable. Bon, Il faut le dire.
un système comme celui-là, à qui tu, même le jour où tu vas quand même avoir un peu d'argent, une médaille, comment tu veux que ce soit toujours la paix ou la non-violence qui règne? Et pour faire le et on le voit, on peut faire le parallèle avec le contexte actuel. Vous êtes un retraité. Vous êtes un retraité. Exactement. Vous devez aller demander votre pension. On ne vous la donne pas. Mais non seulement on ne vous la donne pas, vous faites quelque chose de pacifique. On vous envoie les lacrymogènes, on vous envoie la milice, parce que ce n'est plus la police, c'est de la milice, comme on l'a vu au Gabon. Donc, quand on vous envoie tout cela, à un moment donné, vous concentrez la frustration et de frustration en frustration. Vous, à un moment donné, vous vous dites, ben, je suis excédé, je ne peux plus reculer, ben, il faut que j'aille au front. Vaille que vaille. Donc, c'est ça la logique de la violence. On ne peut pas dire, oui, il est théorisé. Il ne théorise pas la vie. Il essaie d'expliquer pourquoi, à un moment donné, celui qui est dominé... Il explique ce qui se passe, exactement. Et le rappeur a dit, je suis tellement dos au mur que ma colonne vertébrale est en ciment. À un moment donné, ben, tu ne peux plus reculer. Tu fais face à ce qu'on te propose comme violence. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, tant de violence perpétrée sur les autres, tôt ou tard, ça reviendra. Et je pense aussi que la valeur de Frantz Fanon, c'est parce que Frantz Fanon, la pensée de Frantz Fanon a été, on va dire, comme récupérée par tous on va dire ça, comme tous les mouvements d'émancipation, en fait. C'est ça qui a gêné beaucoup de gens. Parce qu'ils savent que tôt ou tard, quand vous lisez Les Damnés de la Terre, si vous êtes dans une logique de libération ou d'émancipation, vous êtes obligé d'employer la violence à un moment donné. Parce que vous savez que la non-violence, à un moment donné, elle est sans issue. Et là, ce n'est pas Fanon qui le dit. Hein. Il y a un auteur qui a écrit un livre qui s'appelle « Comment la non-violence protège l'État ». C'est-à-dire que lui, il dit clairement, et c'est un Américain, hein, il dit clairement qu'à un moment donné, on est obligé d'arriver à ce qu'on appelle des mouvements sociaux, des grèves. On est obligé d'arriver aux gilets jaunes, par exemple. C'est-à-dire qu'on a tellement, essayé de comprendre, on a tellement essayé d'être pacifique que ça ne passe plus. Et les gens sont excédés par la misère, par la souffrance. Par tous les maux, ils vont sur le terrain. Regarde un peu, si on prend les gilets jaunes, c'est exactement ça le schéma. Je disais, ils vont sur le terrain. Ils commencent tranquillement, c'est les ronds-points, c'est même joyeux au départ, c'est même festif, c'est même bon enfant. Au début, après, c'est de la représentation, après ça finit par de la... Et après, on les diabolise, ils sont antisémites, ils sont homophobes, ils sont... Enfin, vous oubliez que le problème du départ, c'est un problème... Les gens souffrent. Que les gens souffrent, tout simplement. Oui, c'est compliqué. Ce qui m'a marqué aussi dans l'œuvre de Fanon, c'est cette actualisation, ou non, comment dirais-je? En fait, les problématiques abordées par Fanon sont éminemment actuelles. J'ai l'impression de faire le scan, enfin, avec mon regard de lectrice, de la société actuelle, voire même que ces mots et ces symptômes du colonisé malade, mais aussi du colonisateur malade, se sont accentués. Et par rapport à notre époque, en fait, Fanon avait la trentaine, quoi. Les grands hommes du siècle dernier, les grands hommes afro du siècle dernier étaient de notre génération. Ceux qui se sont assis pour penser la société, pour faire l'introspection des différents mots qui nous minent. Ils étaient de nos générations. Mais qu'est-ce qu'on fout, quoi? Franchement, je me suis dit, mais c'est pas possible, les gars sont morts. Ils sont morts jeunes. Mais s'ils n'avaient rien foutu comme nous, on n'aurait rien, en fait, comme référence, rien à lire, rien comme idéologie à défendre. Qu'est-ce qu'on fout? Je disais la même chose à presque grand mot, que si on faisait une espèce de comparatif. On est à un âge où ils avaient déjà fait beaucoup de choses. Et le pauvre grand me disait, sagement, si tu commences à y penser, on ne va plus rien faire parce qu'on se sentira on va se sentir tellement minable qu'on ne va rien faire. On devrait. Une nouvelle chance. C'est tellement pertinent ce que dit Nanda, et on va passer au point suivant. C'est-à-dire, on a le sentiment que les autres, avec le peu qu'ils avaient, et ils te produisaient des choses éternelles, quoi. Et nous, on réfléchit même à s'engager en politique.
On ose réfléchir, on ose penser, on ose se douter, en fait. On ose, en fait, rester là, regarder avec dédain ce que les autres font, regarder avec distance, on va dire comment, l'impulsion culturelle qu'on essaie d'amorcer, ou bien se complaire dans un divertissement général, total, général. Pendant un mois, ben, chacun va oublier qu'il y a des gens qui n'ont pas de salaire en Afrique centrale. Pendant un mois, on va oublier qu'en fait, le Cameroun n'a pas de président, en réalité, que le Gabon n'en a pas, à part un président qui tangue tout le temps. Pendant un mois, on va oublier que... Oui, en fait, c'est ça notre époque. On a du mal à se saisir. Tout ce qui se passe au Mali, tu as l'impression que, bon, le Gabonais, lui, ça ne l'intéresse pas. C'est comme ça, c'est aérien. Pour lui, c'est comme un rêve. Le jour où la France, le Mali réussira à faire partir la France du Mali complètement, il va voir, après il va célébrer ça dans ses chansons, engagées, machin. Mais vous ne pouvez pas chanter Thomas Sankara tout le temps et puis faire comme si, voilà, vous rentrez chez vous. C'est indigne de notre époque, en fait. Je te jure, pendant que les Fanon opéraient des voyages, en fait, partout en Afrique, ils allaient soutenir les luttes d'autres nations. En fait, nous-mêmes, le soutien sur les réseaux sociaux, on en est incapable, quoi. En fait, on fait comme si ça ne nous concernait pas. Certaines thèses, d'ailleurs, disent même que la mort de certains intellectuels à cette époque-là, elle est suspecte. Pas seulement les Lumumba, beaucoup d'intellectuels sont morts de manière suspecte. Il a suffi qu'ils écrivent, il y a quelqu'un qui avait écrit Légitime Défense, on lui a coupé sa bourse, il est mort quelques temps après. Paul Niger prend l'avion, l'avion s'écrase, il meurt. On ne connaît pas encore les circonstances de ça. Donc, il y a des gens qui étaient des intellectuels organiques, qui voulaient faire corps avec le peuple et qu'on a simplement peut-être éliminé. Je prends des pincettes à ça. Donc, c'est aussi pour, vraiment, c'est bien de le dire, qu'à notre époque, on est comme si, voilà, tout ce qui est divertissement nous intéresse plus que la pensée, plus que la réflexion, plus que, voilà, plus qu'autre chose, quoi. Bon, on va revenir, le deuxième aspect que tu voulais évoquer, justement, c'est la figure problématique, on y vient, de l'intellectuel dans le contexte de l'œuvre de Frantz Fanon, Hans Wilfried de Tata. Oui, bon, en fait, il y a aussi une réflexion en dehors du grand thème de la violence qui me semble un des thèmes importants. Il y a la réflexion sur l'État-nation post-coloniale, c'est-à-dire lorsqu'on se libère du colon ou qu'on sort de la domination, on se retrouve avec quoi, en fait? On se retrouve avec quoi comme État? Et quelles sont les figures actives durant Quelles sont les figures actives durant les après que celui qu'on estimait colon parti, en fait. Et Fanon s'inquiète de voir émerger ce qu'il appelle une élite colonisée, c'est-à-dire des gens qui ont le statut d'intellectuel ou d'homme politique, ils les appellent tous élites, qui reprennent le flambeau de la direction des institutions, mais qui se comportent eux-mêmes comme des colons. En fait, ce qu'il dit ici, c'est qu'il y a une... Ils ont fini par nationaliser la domination. Aujourd'hui, elle n'a plus la même apparence, puisque ce sont des anciens colonisés qui l'exercent sur leurs frères, simplement. Et ça devient problématique. Et il parle d'une espèce de bourgeoisie nationale, donc il parle d'une bourgeoisie nationale qui veut être à la place de l'ancien peuplement européen de colons, en fait. Et ils ne sont pas là pour servir leur propre, ils ne sont pas là pour servir les intérêts des populations, ce que toi tu appelles organique ici. Ils sont plutôt là pour reprendre les passe-droits, les postes de ceux qu'ils ont vus à l'époque. Et le problème ici vient du fait qu'ils ont intégré le système de pensée de la domination. C'est-à-dire que lorsqu'ils arrivent, ils ne veulent pas restituer. Ils ne veulent pas restituer le pouvoir pour la collectivité, mais ils intègrent les organes de domination tels quels. Et vous avez des Camerounais qui ont pensé à ça, qui ont réfléchi sur la forme de l'État dans les pays africains. Ils ont parlé, il s'appelle Dieudonné Issoumba. Il a parlé, il a parlé de l'absence de développement, dans le sens où si les choses ne se transforment pas, c'est parce que lorsque la figure problématique de l'élite colonisée entre en action, ils viennent avec le même logiciel, ils utilisent les mêmes lois, le même type d'institution, ils ne repensent rien. Donc, ils s'installent à la place
du dominateur et deviennent eux-mêmes dominateurs. C'est pourquoi ils regrettent, par exemple, Dieudonné Sumba regrette, par exemple, et il prend le cas de son pays, le Cameroun, que le préfet n'est pas là pour participer à l'enrichissement des populations, à l'amélioration des conditions de vie, mais il est plutôt là pour surveiller, dire qui doit marcher, qui ne doit pas marcher, qui doit organiser les événements. Il a plus le rôle d'une police que d'une protection qui accompagne le bonheur et le bien-être de la collectivité. Mmh. Donc ici, le problème ici, ce sont tous ceux qui n'arrivent pas à opérer une distance vis-à-vis des concepts qu'ils ont hérités de la colonisation, mmh. qui finit par poser problème dans l'agir, la manière dont ils dirigent. Et on peut mettre en rapport cette pensée de Fanon avec celle de Valentin Yves Moudimbe, le Congolais, qui est même lui-même aussi les psychanalystes, qui explique en fait qu'il y a chez beaucoup d'entre nous ce qu'on appelle l'odeur du père. Mmh. C'est-à-dire qu'on a hérité de la Bibliothèque nationale, de toute cette pensée, les livres, de cette manière de fonctionner. On a fait nôtre ces idées et notre manière de comporter sur le terrain, que l'on soit bien intentionné ou pas, mm-hmm. fait que l'on ressemble trait pour trait à celui qui nous dominait à l'époque. Tu vois? Et c'est pourquoi Fanon propose, il dit généralement, c'est le cas dans beaucoup de pays qui ne sont pas arrivés à l'indépendance par la lutte. Parce que Fanon dit, la lutte est celle qui unit les peuples. Lorsque vous avez combattu pour quelque chose, ça vous fraternise. Parce qu'en réalité, la domination règne par régionalisme, par la division, en fait. Oui, vous êtes du Nord, vous êtes du Nord, nous sommes du Sud, et tu remarques dans beaucoup de pays africains, il y a cette problématique-là. Les gens du Nord contre les gens du Sud, les gens de telle province contre les gens de telle province. Il dit, ce sont des catégories qu'on a héritées de cette espèce de division-là. C'est pas pour dire qu'avant, on était dans l'harmonie, la paix absolue, le paradis. Non, c'est pour dire que ce n'était pas des fractures flagrantes, mais qu'aujourd'hui, ça a été institutionnalisé. Et la preuve, dans certains ministères, tu vas entendre que tel ministère, bon, pour revenir, tel ministère, c'est pour telle ethnie. Tel ministère, c'est pour telle ethnie. Tel ministère, c'est pour tel parti politique. Alors qu'on devrait, si on avait eu une lutte, ça devait fédérer les gens. La preuve, je donne encore un exemple, c'est que dans l'UPC, c'est la lutte qui a uni des gens de divers endroits et de mentalités diverses. Vous avez des médecins, des économistes, des gens du Nord, du Sud. Oumyobé, il était Bassa. Moumier, il était aussi d'une certaine région. Tu as aussi celui qui est mort en 70. Il y avait des Bamileke, il y avait beaucoup au sein des Afana. Ils n'étaient pas originaires de la même région, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je prends aussi le cas de l'ANC. Dans l'ANC, vous aviez des gens qui n'étaient pas des Afros, mais qui participaient de cette lutte-là parce qu'ils se reconnaissaient et que leur idéologie de contestation les a unis et a fait d'eux des frères, en fait. La vraie fraternité, en fait. Ce qui veut dire, et Fanon conclut par ça, il dit, nous ne devons pas nous contenter d'un héritage culturel prospère. C'est-à-dire que nous, en tant que Gabonais, on ne doit pas simplement s'appuyer sur le fait que nous sommes les descendants de l'Empire Congo. Nous ne devons pas simplement nous appuyer sur le fait que nous soyons des descendants de Nyonda, de tous ces guerriers-là. Il dit, c'est bien. Mais le fait que tu sois descendant de ces gens-là ne change pas le fait que tu es fin aujourd'hui. Tu comprends? Et que c'est pourquoi il demande de passer par la lutte et par le fait de se séparer mentalement de toutes les structures, la bibliothèque coloniale, qui peut embrigader notre tête, notre esprit, et faire en sorte que lorsqu'on arrive au pouvoir, lorsqu'on arrive aux affaires, lorsqu'on devient professeur, eh ben, on reproduit des schèmes de domination. C'est pourquoi vous allez voir, par exemple, quelqu'un, parce qu'il était à l'école, parce qu'il a des diplômes, il se pense supérieur à sa mère. Vous en voyez, il y a des gens qui traitent, ah, ma mère est analphabète. Et c'est comme, je ne parle pas ma langue. Et ils voient ceux qui parlent leur langue culturelle ou locale comme étant des sous-personnes. Et les intellectuels colonisés, les élites, les hommes politiques, ils sont généralement dans ce schéma-là. Ils sont pleins. D'ailleurs, quand ils rentrent au pays, on les appelle les blancs. Ils se font appeler les blancs. Ah, lui, c'est un blanc. Mais ça n'a rien à voir.
Ça n'arrive pas. C'est-à-dire qu'ils ont intégré. Ils ont intégré des systèmes de domination via des ouvrages, via des idées. Et Moudimbe explique ça bien, il appelle ça la bibliothèque coloniale. Et c'est pourquoi Fanon parle de soigner les troubles mentaux. Parce que c'est profond, en fait. C'est juste ça que je voulais Alors, dire. avant de donner la parole à Nanda, je vais citer un passage justement parce que ce qui est intéressant ici, c'est justement comment fédérer justement on va dire comment agréger des individus au-delà même de l'appartenance régionale ou ethnique. Alors, il explique, Fanon explique que rejeter des villes, ces hommes, il parle notamment des nationalistes indépendantistes, ces hommes se regroupent dans un premier temps dans les banlieues périphériques. Mais le filet policier les y déniche et les contraint à quitter définitivement les villes, à fuir les lieux de la lutte politique. Ils se rejettent vers les campagnes, vers les montagnes, vers les masses paysannes. Dans un premier temps, les masses se referment sur eux en les soustrayant à la recherche policière. Donc, la masse te protège. Le militant nationaliste qui décide, au lieu de jouer à cache-cache avec les policiers dans les cités urbaines, de remettre son destin entre les mains des masses paysannes, ne perd jamais. L'homme politique, la figure politique ou l'intellectuel, voilà en fait ce qui peut aujourd'hui, selon moi, ce que Fanon, l'une des clés que Fanon a délivrées, c'est-à-dire qu'arrêtons de prendre la ville comme le lieu où, voilà, le seul lieu de l'action. Il faut faire des replis. Tant que vous parlez dignement au nom d'un peuple ou d'une bourgade, d'un village, ce village-là va vous protéger en retour. Ce sera difficile aux policiers de venir vous y chercher. Parce qu'eux-mêmes savent comment vous protéger, comment vous garder. Et c'est ça l'intellectuel organique. Faire corps avec les gens, avec les revendications des personnes, avec les revendications de l'arrière-pays. Pourquoi? Parce que maintenant, en Afrique, bientôt, on va installer des caméras de surveillance. Ce sera facile de vous avoir. Vous faites quelque chose, bon, on check seulement et puis on sait que c'est vous qui avez fait ceci ou cela. Mais quand vous faites un repli, Fanon propose ici d'aller parler ce qu'il appelle le lumpen prolétariat. Et il dit même, si toi qui as l'âme, le master, et l'autre qui est un évadé ou un ancien prisonnier, si vous vous battez moi-même pour la même cause, vous ne sentirez plus le clivage, là, comme tu le disais tout à l'heure. Il n'y aura plus ce clivage. C'est-à-dire que vous vous êtes battu pour la même cause, pour la même chose. Et celui qui était privé de ses droits parce qu'il a fait de la prison, il se retrouve une forme de dignité. D'où le fait que la lutte pour la libération ou le combat redonne justement sens aux individus. Tu vois? Ça vous resitue dans la société. Et c'est l'une des clés qu'il essaie de, qui, selon moi, a été délivrée dans cet ouvrage. Donc, Nanda. Oui, moi j'ai bien aimé aussi quand Fanon fait la différence en parlant de Karl Marx et des socialistes qui, selon eux, il y a deux couches en fait de sociétés qui vont s'affronter ou qui s'affrontent, l'une pour la libération, l'autre parce que bourgeoise, donc la bourgeoisie et le prolétariat. Chez le colonisé ou dans les sociétés colonisées, bah, il n'y a pas deux couches qui s'affrontent ou on va dire la liberté ou la libération viendra du prolétariat. Parce que ce prolétariat, finalement, c'est embourgeoisé. Il y a ceux de la classe populaire, donc ceux qu'on peut considérer comme les villageois, et les urbains, l'élite qui s'est embourgeoisée là. Dans notre société actuelle, moi, je prends nous, la population, hein, lambda, nos dirigeants qui finalement ont remplacé les colons parce que perpétuant les mêmes maux, parce que ils font tout pour garder certains privilèges, donc ils nous privent même de l'essentiel. Ils ferment les yeux sur tout. Et parfois, cette élite bourgeoise, en fait, vient se mélanger à nous pour, en griffe, défendre notre cause. Mais dès le moment où elle a quelques privilèges, bah, elle cherche simplement à remplacer l'autre groupe qui cherche aussi à asseoir sa domination. Donc, on se retrouve, nous, avec trois stratifications. Le peuple lambda, l'élite embourgeoisée, là, et
la bourgeoisie, donc les dirigeants qui sont très amis avec ceux qui nous exploitent. C'est ce qui freine aussi le fait qu'on prenne des idéologies ailleurs. On dit que Fanon a critiqué le marxisme, etc. Mais je trouve qu'il a très bien analysé. En fait, pour moi, Fanon, c'est un vrai scanner de la société. Il a bien analysé la situation. On ne peut pas prendre une idéologie, on ne peut pas copier juste un système et venir le plaquer. Ah Et c'est la non. même chose, en fait, qui fait en sorte, il a parlé des freins à la démocratie et des freins à la révolution. Aujourd'hui, on s'étonne, mais pourquoi les Gabonais ne se réveillent pas? Pourquoi, etc., etc. Mais ceux-là qui ont prétendu nous défendre, mais c'est cette bourgeoisie, ou non, cette élite qui s'est embourgeoisée, qui finalement se dit, bon, on ne peut pas aller jusque-là, si on laisse le peuple gagner, nous aussi, on va perdre. Pour faire la parallèle aujourd'hui avec la Coupe d'Afrique, on parle aussi de ces dirigeants qui font tout pour que. Oui, de ces dirigeants qui font tout pour que l'équipe nationale perde, parce que il y a de l'argent qui est déboursé pour les conditions de la Coupe d'Afrique, pour les footballeurs. Donc, s'ils atteignent un certain niveau, il y a des primes. Cet argent est décaissé, il ne repart pas au trésor. Donc, si l'équipe nationale perd, bah, ils vont détourner tout ce pognon-là, ça vient dans leur poche. Donc, ils n'ont aucun intérêt personnel à ce que l'équipe nationale gabonaise puisse gagner, quoi. Pendant que nous, le peuple, en fait, on est à fond, on pleure, voilà, on se bat, on se Mais dit, bon, alors, nos joueurs. d'où le fait justement que moi je suis particulièrement à l'opposé de ce patriotisme de gradin, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que qu'il y ait victoire ou défaite, ça ne nous profitera jamais à nous, jamais. Les stades qui ont été construits jadis ne nous profitent pas aujourd'hui. Les hôtels qui ont été construits jadis ne nous profitent guère. Bon. Toutes les Jamais infrastructures. c'est trop dire le presque-vent. Oui, Oui, pour ça relativiser. ne nous profitera jamais. Sincèrement, ça ne nous profitera jamais. La Regarde. victoire de quelqu'un, à partir du moment où quelqu'un a remis sa victoire au Ballon d'Or à Ali Bongo, pour moi, Non, cet mais à tous. assujettissement-là, cette Bon. génuflexion intellectuelle me permet de Non. dire que ça ne nous profitera jamais. À partir Bon. du moment où des gens sont conscients qu'il n'y a pas de championnat national et que quelqu'un a dû perdre sa place rien que pour avoir dénoncé ce fait, ça ne nous profitera jamais. Donc, Bon, à quel regarde. moment on doit Oh. s'intéresser Bon. à tout cela Le quand on sait principe. que cette Mais diversité... comment faire pour que ça nous profite, Bon, en fait? Comment faire pour que ça nous profite? Attendez. Justement, parce Attendez. que ce que je veux dire, et on va peut-être demander c'est quoi le lien, mais ce qu'on oublie, et Achille Mbembe l'a très bien montré dans Les Jeunes et l'ordre politique en Afrique noire. C'est-à-dire que ça, c'est une poche pour les dirigeants, sincèrement. C'est une poche de respiration qu'il y ait la CAN. Parce qu'on ne parlera plus d'autre chose pendant un bon bout de temps. Ils respirent. Même aujourd'hui, l'actualité de la CAN a totalement supplanté le Copil citoyen dans le contexte du Gabon. C'est vrai. On est d'accord. Ça a éclipsé. Alors que ce qu'a fait le Copil citoyen jusqu'à aujourd'hui, on peut saluer. On peut saluer cela. Mais la CAN est venue étouffer tout cela. Donc voilà pourquoi je dis, ça ne nous profitera jamais tant qu'on n'a pas les gens qui aujourd'hui se permettent de payer les Mbappé hôtes de 40 millions d'euros par an. Ils ont passé certains stades. Nous, on ne l'a pas fait. Un pays qui n'a pas suffisamment d'eau à boire, d'eau potable, d'électricité, qui vit encore des délestages. Mais aller suivre une CAN de bout en bout, oui, mais il faut savoir que tout cela est lié à l'ordre de domination, à l'ordre colonial. On ne veut pas que vous réfléchissiez parce que justement, voilà, et pour cela, on vous offre du divertissement à grande échelle. Aujourd'hui, regarde un peu comment les Algériens évoquent, ou bien les Nord-Africains quand ils parlent de l'Afrique. On parlait justement de l'incapacité à faire de la violence à nos dirigeants. On transfère cette violence ailleurs, n'est-ce pas? Quand l'Algérie perd ou l'Algérie est éliminée, tu as vu toutes les raisons qu'on a données? C'est des raisons irrationnelles. Le marabout, Tout c'est des ça, marabouts, mais oui, ils ont tout ça, des... pourquoi? C'est parce qu'au lieu de faire violence, d'affronter la violence de l'État que tu as là-bas, non, tu transfères ça sur ton frère africain. Non, c'est des fétichistes, c'est des gens qui ont des gris-gris, c'est la pelouse n'était pas bien, ils ne veulent jamais qu'on gagne quand on arrive chez eux, il faisait chaud, il fait ainsi, tout un tas de choses. Donc voilà, donc ces compétitions-là qui ne servent qu'à nous cliver davantage plutôt que nous réunir, pourquoi on va les célébrer? Ça, c'est juste Bon. ma posture. Bon, le presque grand. Là, Juste une quand même, petite. excusez-moi.
Je veux juste dire deux, trois choses par rapport à ce que Nanda disait par rapport au marxisme chez Fanon. Fanon est marxiste, hein. Il épouse certaines idées, mais il précise ceci. Il dit le marxisme, les théories de Karl Marx ne sont pas suffisantes pour comprendre certaines situations de domination dans certaines géographies. C'est ce qu'il dit. On ne peut pas, parce que c'est l'erreur de beaucoup de marxistes, de communistes, c'est qu'ils pensaient les coloniser comme étant des ouvriers. Or, Fanon dit, ce ne sont même pas des ouvriers, puisque ce ne sont même pas des hommes. Ils sont déjà déshumanisés. Donc, la lecture que l'on doit faire en situation de colonisation, même quand on est marxiste, ne suffit pas si on n'intègre pas cette notion de déshumanisation, de prédation par rapport à la dignité humaine. Donc, lui-même, il précise dans Les Derniers de la Terre, dit, la lecture marxiste ne suffit pas. Il faut intégrer d'autres schémas. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne la lutte, Fanon lui-même le redit dans son texte, la lutte n'est pas nationale. Et il prend un exemple simple. Il parle du capitalisme. Il dit la colonisation, c'est comme le capitalisme, puisque c'est un des enfants du capitalisme. C'est pour des raisons de capitaux, de bénéfices qu'on vous colonise en réalité. Donc, derrière la pseudo-politique de humaniste, il y a des intérêts économiques, c'est de la prédation. Mais la différence dans nos cadres, c'est que ça passe par la déshumanisation et l'exclusion de certaines populations du cadre de l'humanité. Fanon dit ceci. La domination, donc le capitalisme, la colonisation, ce n'est pas national. Le colon, il ne sévit pas seulement dans ta bourgade, il est partout en même temps. Donc, toi aussi, quand tu penses, ne pense pas à l'échelle nationale, pense de manière globale. C'est pourquoi certaines personnes m'ont souvent me reproché, me disent, mais toi, quand tu parles souvent de l'Afrique en général. Pourquoi tu ne parles jamais de certaines personnes? Mais parce qu'en réalité, on ne combat pas des individus. On combat une mentalité globale à laquelle se greffent des individus. Parce que quand vous combattez un individu, vous le remplacez, et bien si un autre a la même mentalité revient, et bien vous n'avez pas beaucoup avancé. Et c'est ce que Fanon essaie de faire comprendre aux gens. Il faut sortir. La nationalité, c'est bien, mais il faut avoir une vision globale des sujets et de la lutte, qu'elle soit physique dans une repense armée ou qu'elle soit intellectuelle. Tu vois? C'est pourquoi on a ce problème-là où tu as vu certains Algériens. Pour expliquer leur défaite, eh ben, ils disent que nous sommes des marabouts, parce qu'ils sont dans une visée, une espèce de visée nationaliste, où on a fait fantasmer la nation comme étant une espèce de prison mentale, une espèce de prison idéologique. La nationalité, c'est normal, c'est ta terre, c'est ton origine. Mais quand on veut sortir de la domination, il faut que ce soit global. Et pour terminer sur la question, c'est pourquoi j'évite de citer des noms. Moi, je parle des comportements. Et quand tu parles, et pour terminer sur cette affaire de CAN et compagnie, moi, en ce qui me concerne, je n'ai rien contre la CAN. Parce que si la CAN est bien organisée et que les infrastructures sont bien utilisées derrière, j'ai beaucoup de frères qui n'ont rien à faire de l'école, qui n'ont rien à faire d'autre chose. Eux, ils aiment les livres, mais ils préfèrent comme métier le football. Si le championnat national hérite de ces stades-là, ça nous fait du bien. On peut organiser une vraie économie où les gens sont payés, où les footballeurs sont payés, et on ne va pas dormir avec eux. Mais Attends, non, mais on ne va pas c'est dormir justement avec eux. ça, là. C'est Attends, justement ça, je termine. là. Attends, Non, je mais termine. tu ne pourras Laisse-moi pas terminer. terminer. Tu ne pourras pas Attends. terminer. Mais là, C'est-à-dire le problème, c'est quoi? Le non, problème, c'est que ces c'est-à-dire que le choses-là. problème, c'est qu'on est face à des institutions qui ne sont pas représentatives de ce que nous sommes. Voilà. Et Donc, je à voulais partir de là, terminer. Le problème, c'est ce n'est ça. pas la CAN en elle-même. Le problème, c'est que on transporte ça dans le divertissement pur et l'enrichissement personnel. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est la même stratégie. Il n'y a rien de nouveau. Hein. Même chez Cantadieu peut en parler. Depuis l'Antiquité, chez les Grecs là-bas, quand ils sentaient qu'à un moment donné la population, ça n'allait plus, eh bien, ils ont amené le Colisée avec les gladiateurs pour distraire les gens. Et à travers les siècles, c'est comme ça. Il y a d'autres qui font ça en Afrique, en Amérique latine et tout. C'est-à-dire qu'ils déplacent
ils déplacent des choses qui sont censées avoir de la substance, ils en font un pur divertissement pour vous faire oublier. C'est ça le problème, en fait. Sinon, ceux qui veulent jouer à Coupe d'Afrique, ils jouent. Et oh, j'entends dire, la canne est sucrée, et la banane, et le manioc. Si on pouvait mettre la même énergie, comme je disais tout à l'heure au poste grand en aparté, si on pouvait mettre la même énergie pour organiser les retraites des gens, organiser la construction des routes, si on mettait la même énergie en respectant les délais sous la pression des populations, mais on serait content. Mais par contre, ce qu'on dénonce, et là je rejoins le presque grand bon, c'est que c'est du festif, c'est du leurre en fait. C'est ce qui n'est pas bon. Enfin, je pense. Est-ce qu'on pourrait pas, parlant par exemple des populations, des gens, je pense qu'il y a des gens qui posent des questions. Oui. Oui. Il y a pas mal de commentaires. J'étais en train de lire. Il y a une ou deux questions. Je vais les lire tout à l'heure. Mais je me disais, par rapport aux copiles citoyens et à tous les mouvements de conscientisation, est-ce qu'on ne pourrait pas se servir finalement de cette émulation autour de la CAN pour faire passer des messages? Comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Je me demande un peu, enfin je me questionne. Hein. Quelle stratégie pourrait être adoptée pour utiliser cet éveil, ce côté festif? Parce que j'ai vu par exemple la mobilisation des Gabonais dès que comment il s'appelle le Ghanéen là, ouais, ils ont fini de faire mal parlé du Gabon. J'avais l'impression qu'il y avait 1 milliard de Gabonais et que il n'existait pas de Ghanéen. Que ce soit sur la page de la Fédération Ghanéenne ou sur la page de ce joueur là. Ça crée une identité nationale ou un sentiment en fait de communauté soudée. Mais comment on peut utiliser ça dans le sens, par exemple, du copil citoyen, de tous les mouvements de libération, les mouvements de conscientisation pour en arriver là? Enfin, je ne sais pas, peut-être aller au-delà. Mais je pense que le problème avec nous, c'est ce que je retiens en fait de ce que disait l'ouvrage de France Fanon, de ce que dit l'ouvrage de France Fanon, je pense qu'il y a une cassure entre ceux qui apparaissent comme des leaders et ceux à qui doivent profiter leurs actions. Le copil citoyen, si on peut déjà émettre une critique, c'est qu'ils vont beaucoup utiliser les réseaux sociaux. C'est intéressant, c'est vrai. Mais pour avoir été à Mekambo, je sais que Mekambo, Moulengi Binza ou autres, ne savent peut-être même pas qu'il existe un copil citoyen. Donc, c'est toujours ça le problème. Moi, je pense qu'il y a la question des moyens utilisés pour la lutte va être ici déterminante. Qu'est-ce qu'on va utiliser? De la même manière, moi, je le dis même en littérature, quand on lit certains écrivains gabonais, vous avez l'impression que, voilà, vous avez le nouveau Chateaubriand ou bien je ne sais pas qui, il veut faire des choses compliquées, machin, mais parlez correctement parce que là, nous sommes face à un peuple qui est déjà qui ne comprend pas tout. Donc, le véhicule, le moyen de communication, ça va être déterminant pour soulever les masses. Et c'est ça le problème. La plupart des mouvements qui naissent au Gabon ne naissent que dans les villes, au lieu de les domestiquer à la périphérie des villes ou bien dans des endroits, dans les villages. Vous avez beaucoup de villages aujourd'hui qui sont coupés parce que la route n'y parvient plus. Le député est venu, il a promis des choses, on n'y parvient plus. Vous avez des endroits où les revendications sont là, sont énormes. Les gens font de l'agriculture, mais ne peuvent pas acheminer leur vivre pour les commercialiser. Donc voilà des problèmes concrets pour les gens, mais si vous n'avez pas le bon moyen pour leur dire que là, vos droits sont quand même brimés, ils vont rester dans leur léthargie. Aujourd'hui, si on vous demande que pour vous le déplacer à l'intérieur du Gabon, vous devez avoir une autorisation, mais constitutionnellement, c'est illégal déjà. On ne comprend pas comment on peut être assigné à résidence comme ça. Quand vous voyagez un peu, pour peu que vous sortiez, ça n'existe nulle part. Vous allez de Pointe-Noire à Brazzaville, vous n'avez pas d'autorisation à prendre. C'est totalement dément. C'est de la démence généralisée. Donc, tout ça, pour revenir au copil, comment justement donner de l'ampleur à un tel mouvement? Moi, je pense que c'est le véhicule utilisé. On a tendance davantage à utiliser des moyens urbains pour des problèmes qui sont globaux. Comme disait
Hans Wilfried tantôt à propos de la pensée de Fanon. Essayons de penser à l'échelle nationale d'abord, au lieu de penser seulement que c'est à Libreville ou bien pour des gens qui peuvent avoir la connexion. C'est ça le problème aussi de nos mouvements, de nos mouvances. Tu vois? Tant que c'est domestiqué, eh bien, c'est facile de vous mettre le grappin dessus. C'est facile de vous corrompre déjà. C'est facile de vous arrêter. Et c'est facile de vous discréditer dans les médias. Donc, voilà un peu. Moi, je dis que c'est choisir le bon moyen, le bon canal de diffusion aussi. Bon, je peux lire les questions? Oui. Donc, nous avons... Enfin, deux questions principalement. Hein. Après, je vois beaucoup de commentaires et de réactions. La première question, celle de Mamkoum. Cette violence physique que mentionne oncle Fanon, donc, comment se manifeste-t-elle de nos jours, si tant est qu'elle existe toujours ou encore? Ça, c'est la première question. Je pose les deux déjà. Hein. Oui. Et il y a Habib qui demande, enfin, qui pose la question de savoir, la pensée de Fanon ne met-elle pas l'Occident face à ses propres contradictions? Humanisme, écrasement, l'humanisme, enfin, il ajoute que l'humanisme est africain. Mm-hmm. Hans Wilfried, comment se manifeste cette violence-là de nos jours? Attends, ton micro est fermé, je vais l'ouvrir. Voilà. Ah, je disais que je te laisse commencer. Ouais, si t'as... Non, mais cette violence, elle est multiforme. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. Si on regarde l'année 2021, l'année 2021 pour le continent africain est marquée d'une violence inouïe. Il y a eu des morts à Dakar, il y a eu des morts au Gabon, il y a eu des morts en Afrique du Sud. La violence, elle est là. La chose la plus pernicieuse, et Frantz Fanon le dit, que c'est perpétré en fait par des préfets qui sont là pour maintenir l'ordre colonial. Elle est là, la violence. La violence, c'est lorsque vous arrivez comme celui, l'intellectuel qui devrait, refuse de faire un troisième mandat, après vous finissez par dire non, je veux un troisième mandat. La violence, elle est dans le fait que le chef de l'État, il continue de croire que c'est lui qui va développer le pays, alors que ce n'est pas son rôle. C'est ça, la violence, parce qu'après, quand il va croire que c'est à lui que revient la mission messianique de développer le pays, il va vouloir s'éterniser. Voilà la violence, elle est là aujourd'hui. La violence, c'est quand le Mali cherche de nouveaux partenariats et qu'on est en train de diaboliser, qu'on est en train de brûler des villages sous prétexte que ce sont des islamistes ou des terroristes, alors que c'est la France qui organise tout cela. La violence, c'est quand on nous dit que l'opération Serval, qui devient Barkhane, devrait chasser les terroristes, n'y parvient guère. Okay? C'est-à-dire qu'on a même davantage de violence avec l'armée qui devait nous aider que l'inverse, qu'avec quand on affrontait les djihadistes avec une armée, certes nationale, un peu brinquebalante. Voilà la violence aujourd'hui. Elle est partout. La violence, c'est Rossi Mukendi qui est brûlé dans sa maison en RDC. Un jeune brûlé dans sa maison. Nous l'avons raconté dans La liberté était tue. Elle est là, la violence. Tout simplement parce qu'il réclamait que non, pas d'autre mandat pour Kabila. Elle est là, la violence. Elle est encore là. La violence, c'est l'OMPR, le mouvement Musique pour la Révolution, groupe de chanteurs congolais, qui est menacé parce qu'ils ont justement osé dire qu'on n'en peut plus dans une chanson. Elle est là, la violence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on met en lumière la pensée de Frantz Fanon, c'est juste pour dire qu'en fait, l'ordre colonial d'hier a été remplacé par l'ordre néocolonial aujourd'hui. On a juste des suppôts de la colonisation qui sont là et qui servent des intérêts, qu'il s'agisse d'Ali Bongo ou de Tshisekedi ou autre. C'est des valets, il faut le dire comme ça. Parce que quand on voit bien, je ne sais pas si les gens l'ont remarqué, les visites présidentielles hautes en couleur, il n'y en a plus, venant d'un chef d'État, un chef d'État de l'Afrique centrale, par exemple, à l'Élysée. Mais comment on a réussi à maquiller cette violence? On les reçoit maintenant à travers des sommets pour la terre, des sommets pour l'océan, des sommets pour la forêt. Mais derrière, ce sont des visites d'État déguisées. Et c'est des gens qui continuent en fait à donner un quitus à ces gens. Donc la France légalise toujours le pouvoir d'Ali Bongo, la France légalise toujours Sassou Nguesso, la France légalise toujours toutes les formes de domination qui existent. Et chaque fois qu'il y a une tentative d'émancipation, la France
emploiera aussi à son tour la violence. Et c'est ce qui est en train de se passer en Centrafrique et au Mali. C'est aussi simple que ça. Donc la violence, elle est là, elle est partout, elle est disséminée. Elle, il y a la violence latérale, donc le Sud-Africain qui pense que c'est le Nigérian qui vient lui prendre son travail. La violence, elle est là. C'est aussi simple que ça, elle est multiforme. Le Prince Levent, j'ai envie d'ajouter que la violence, c'est ce couvre-feu qui date de quasiment 2 ans. La violence, ce sont les documents qu'on demande, les laissez-passer. André Pondo a demandé au ministère de l'Intérieur pour aller dans son village, dans le Nord. La violence, c'est l'obligation vaccinale. La violence, c'est les policiers qui vont taper sur quelqu'un à cause de l'absence d'un masque. La violence, c'est les gens qui n'ont plus l'opportunité de vendre sous prétexte de COVID. La violence, c'est dirigeants qui ont tous les droits, qui peuvent passer où ils veulent, comme ils veulent. Pendant ce temps, la population est assignée à résidence. Elle est là, la violence au quotidien. La violence, c'est la misère, nos assiettes vides, les prix des denrées alimentaires qui grimpent. C'est d'une violence, mais atroce. La violence, ce sont ces mamans qui se battent chaque jour au marché pour avoir de quoi nourrir leurs enfants. La violence, c'est cette école-là dont les enfants apprennent une fois par semaine au lycée d'État Joseph Ambourou et Avaro de Port-Gentil, par exemple. La violence, c'est l'école qu'on ferme alors qu'on est déjà en retard pendant 1 mois parce qu'on a peur que les élèves se soulèvent pour des grèves concernant l'absence de cours ou encore la grève des enseignants. En fait, la violence, elle est partout. Elle est dans notre quotidien. On la vit, on la respire, on la sent. Et on a même du mal à l'exprimer, en fait. Oui. Donc, Hans Wilfried, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Sinon, on passe. Voilà. On est à 1h22. Donc, on passe brièvement au style Frantz Fanon. Le style Frantz Fanon, c'est beaucoup. Je parle du style davantage pour inciter les gens à lire. Parce que quand on va dire Frantz Fanon, psychiatre et tout ça, non. C'est vraiment, il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi un autre médecin qu'on appelle Louis Ferdinand Céline, qui malgré son niveau de connaissance, et moi c'est ça beaucoup qui me frappe, a écrit des œuvres magnifiques et aisées à lire. Donc on parle notamment de l'ouvrage classique Voyage au bout de la nuit, qui se comprend aisément, qui écrit avec un style chatoyant, avec le langage, le parler populaire, avec une aisance, et voilà quoi, qui sort complètement des codes classiques de la grammaire. Et Frantz Fanon ici, n'oubliez pas, c'est ce qu'on appelle un intellectuel organique, c'est-à-dire je le soupçonne d'avoir lu Gramsci, parce que c'est Gramsci qui a théorisé sur la question de l'intellectuel organique, c'est-à-dire, et Frantz Fanon épouse un peu cette idée-là, c'est-à-dire que nous devons aller chercher la science dans les universités coloniales, mais nous devons restituer au peuple quelque chose, un résidu, quelque chose qui est davantage filtré avec nos mots, avec les mots surtout que le colonisé d'hier peut comprendre, pour actualiser justement son discours aujourd'hui dans le contexte de ses problèmes personnels. Ça, c'est valable pour tout et pour tout ce qu'on veut, que ce soit dans la littérature, dans le sport, ainsi de suite. Vous n'allez pas inventer des formules qui sont là juste pour faire beau. Parler correctement au peuple dans les mots qu'il peut comprendre et il va se saisir d'une certaine réalité. Et c'est tout le leitmotiv de Frantz Fanon quand on le lit. Ce qu'on ne dira jamais assez, c'est que tout ce qu'il écrit, il le tire à la fois d'une expérience personnelle, c'est-à-dire dans son combat, son engagement, mais aussi de l'observation qu'il a faite en tant que thérapeute de l'âme ou de l'esprit. Et dans ce qu'on a, c'est quoi? C'est-à-dire, à partir du moment où il a la matière, c'est-à-dire, il a observé, il a étudié, il a vu, parfois tu as même le sentiment qu'il restitue certaines choses avec les mots même des personnes qu'il a auscultées. Et ce style-là,
c'est propre justement pour faire le lien avec la poétude dont nous nous défendons. Quand vous avez un Pierre Claver-Akinyi qui, malgré les doctorats, vous écrit des textes assez simplifiés, d'apparence évidemment, des fois, mais qui ne sont des textes, je veux dire, qui ne sont pas difficiles à comprendre. C'est-à-dire qu'ils s'inscrivent dans cette mouvance-là, contrairement à une certaine littérature où on veut impressionner je ne sais pas qui. Donc, c'est François Fanon, lui, déjà, il était sorti de cette bibliothèque coloniale. Et ça se voit dans sa façon d'écrire. Les phrases sont rarement longues. Les idées sont énoncées dans des parties vraiment séquencées de manière brève, mais assez efficace. Et n'oublions pas qu'il écrit cette œuvre-là dans l'urgence. C'est vraiment une œuvre écrite dans l'urgence, comme s'il recevait des paroles, parce que certains nous ont dit, voilà, le Coran et tout le reste, c'est les paroles inspirées. Mais là, pour le coup, on a vraiment des moments où c'est comme des paroles inspirées, où il traduit de la manière la plus simple, de la manière la plus clairvoyante, le processus, comment on élabore ou comment on impulse un processus de libération. Donc, à partir justement de l'observation de la logique de domination, à partir justement de la lecture ou de l'explication de la condition du dominé, et comment on en arrive finalement à un mouvement de libération, à cette violence de libération, comme le disait Cheryl tantôt. Qu'effectivement, il faut parler ici de violence de libération. Ce n'est pas une violence où, oui, on va prendre un enfant, on va l'égorger, on va prendre des femmes, on va violer, ainsi de suite. C'est comme on le fait dans le Kivu. C'est vraiment, cette violence-là n'est justifiée que parce que nous voulons former nous-mêmes un État de droit, un État autonome, un État où les citoyens, nous-mêmes, nous décidons de notre avenir. Donc, ce style-là permet à n'importe qui de comprendre. L'œuvre est un tout petit peu volumineuse, quoique ce n'est même pas si volumineux que ça, mais c'est vraiment assez limpide, le style est limpide, et puis c'est accessible à tous. Et mon vœu le plus cher, notamment pour le Gabon, c'est que ces œuvres-là, les enseignants s'en saisissent pour les introduire dans les classes. Dans les classes. À partir de la troisième, on peut déjà lire François Fanon. Je crois que c'est grand. Oui. Ça va dans le sens de la question posée par Eliwe. Il mm-hmm. demande comment aujourd'hui faire connaître François Fanon à des jeunes. Mm-hmm. Il ajoute qu'il a honte d'avoir découvert Fanon à 23 ans, mais je pense qu'il ne devrait pas avoir honte. Il n'y a pas de honte à avoir. Moi, j'ai découvert Fanon à presque 40 ans, donc s'il n'y a rien de... On est victime de ça, et c'est Mauvais Alain qui le disait dans son premier album, qu'on est des rescapés en réalité. Il y a beaucoup de choses que le système éducatif gabonais occulte et vers lesquelles il nous éloigne. Parce qu'on préfère que ce soit Eric Joël Bekalé qui soit enseigné, on préfère que ce soit tout le temps les Matiti qui soient enseignés, on préfère que ce soit Jani Sotemi qui soit enseigné, alors qu'on devrait, oui, il faut le dire, vous ne voulez pas citer les noms, je vais le faire, parce qu'il y en a qui se battent effectivement pour qu'une certaine littérature de la médiocrité prospère dans les milieux scolaires gabonais, il faut le dire, tout ce que Sylvine Sam est en train de promouvoir, c'est de la connerie pure et simple. Non. Et toute cette connerie-là, ça nous éloigne de François Fanon, ça nous éloigne d'Aimé Césaire. Moi, j'étais même pas encore scolarisé que je lisais déjà du Césaire, du Senghor. Donc, voilà où on en est aujourd'hui. Les livres, les manuels scolaires, les programmes scolaires ne sont pas adéquats à l'éveil d'une pensée aujourd'hui, dans le contexte gabonais. Et c'est ça qu'il faut dire. Les gens ne peuvent pas passer leur temps à lire les Matiti, parce que ça nous renvoie tout le temps à notre misère. On n'est pas des gens misérables. Oui, on a lu les Matiti, c'est bon. Mais maintenant, il faut qu'on s'émancipe, qu'on aille lire le germinal pour que justement les fruits puissent faire éclater la terre, comme il le dit à la fin de l'œuvre. Qu'on aille lire Ferranta Diop pour que notre identité soit restaurée, qu'on ne soit plus là à voir le Ghanéen comme un ennemi, qu'on ne soit plus là à regarder le Nigérian comme l'éternel cordonnier. Non, il faut qu'on lise des vrais ouvrages, des ouvrages pertinents qui peuvent nous dire, voilà, nous nous situons tel de cette manière-là dans le contexte actuel. Et c'est urgent, c'est vraiment urgent. On ne peut pas continuer à lire « Si je mange, je baisse ma mère ». Sincèrement, on ne peut pas écrire ça au XXIe siècle. Ce n'est pas notre mission. Et il faut qu'on trouve notre mission, l'accomplir ou la trahir, comme disait François Fanon. Le presque grand, de toute façon, la politique de
médiocrité ou de médiocritisation de la société. Et c'est une politique en marche, hein, qui est déjà très active. Donc, à nous maintenant de lutter. D'où la question, comment faire aujourd'hui pour faire connaître France Fanon aux jeunes? Ça commence par ce que nous faisons là aujourd'hui. Ça commence par, et c'est un cycle qu'on va essayer de perpétuer jusqu'à ce qu'on ait épuisé l'ensemble de la bibliographie de France Fanon. Ça commence par cela, ça commence par inviter vraiment, j'interpelle toujours les enseignants sur le fait que entre une grève et enseigner France Fanon, choisissez d'enseigner France Fanon. Au moins, vous ne revendiquez pas que pour aujourd'hui, vous vous revendiquez aussi pour demain. Et c'est moins vieux, et c'est moins violent, c'est plus insidieux, c'est plus astucieux. Et pour tout dire, lorsqu'on a des programmes scolaires qui vont davantage vous pousser à lire une certaine littérature, mais on vous programme déjà à ne pas penser. Et il ne faut pas s'étonner que tôt ou tard, vous avez des Mogarsa qui sont des Goncourt, et nous on est là à la traîne. Parce que quoi? Parce qu'on célèbre justement une certaine médiocrité. Cette médiocrité-là se lit dans les titres, c'est que le chien a vu un zaillon, si je mange, je baise ma mère, quoi quoi, spaghetti, des trucs du genre. Mais on n'élève pas la pensée. C'est ça le problème aujourd'hui. Donc, commençons par instituer ça. Les enseignants, il n'y a rien qui interdit un enseignant aujourd'hui au Gabon d'introduire France Fanon dans son travail. Il n'y a rien, rien du tout. Parce que ça fait partie de la pensée, le mouvement de libération, ça fait partie de la pensée négro-africaine. Donc, si on t'a dit d'étudier ou bien d'introduire le pagne noir ou bien l'enfant noir, ben, introduis France Fanon, ça s'inscrit dans la même lignée. Si on t'a dit d'introduire Hostie Noire de Senghor, à la place, tu mets du France Fanon. Alors, ça ne veut pas dire que voilà, on n'aura que du Fanon, mais il faut qu'on pense aujourd'hui à enseigner à travers des textes, à ce genre de textes-là qui ne servent qu'à émanciper l'individu, plutôt qu'à la littérature pour la littérature. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, commençons par ça. Et puis, malheureusement, on est dans un contexte où on peut inviter aussi les animateurs. Et j'en connais une qui essaie de faire quelque chose, notamment à travers Facebook. Et on en connaît d'autres aussi. Mais au Gabon, ça doit se développer davantage des gens qui parlent de littérature et de culture sur les réseaux sociaux. Et parce que si on reproche aux gens d'avoir laissé proliférer une certaine figure médiatique, c'est peut-être parce que nous-mêmes, nous n'avons pas aussi proposé autre chose à la place. Mais normal, le Gabonais, s'il arrive qu'il y a deux Chanel, 15 Tata Huguette, mais il va regarder cela. Puisqu'il n'y a pas 50 au Tata, il va regarder tout ce qui est glorieux, comme ils disent, ou bien tout ce qui est fantastique. Voilà la réalité aujourd'hui. Donc, ceux qui sont les universitaires, ou du moins ceux qui sont les étudiants, par exemple, commencez aussi à créer des blogs littéraires, des blogs culturels, où on promeut la pensée, où on promeut l'esprit critique, où on essaie de forger une masse critique qui vient non pas pour chercher juste à avoir un emploi, et puis voilà, et qu'on produise un discours, vraiment un discours, mais un discours gabonais. C'est vraiment produire un discours gabonais pour sortir de cet état de servitude dans lequel nous sommes là. Parce que en l'état actuel des choses, je vois mal la sortie. 2023, les élections arrivent. On aura un éclopé à la tête de l'État, quoi qu'il arrive. Parce que quoi? On n'a pas su capitaliser sur ce que nous avions déjà comme acquis. Vous écrivez un livre qui devrait servir à mobiliser des fonds pour une bibliothèque, les gens vous dédaignent, ils vous regardent avec mépris. Même ceux qui sont des pseudo-chantres de la libération du Gabon. Voilà le contexte actuel. On ne soutient pas les initiatives qui peuvent servir à l'émancipation collective. On est toujours dans quelque chose qui est égotique, ainsi de suite. Donc, les trois aspects qu'on peut avoir. Donc, inonder les réseaux sociaux avec tout ce qui est contenu culturel et critique. Introduire la pensée de France Fanon et bien d'autres, ou réactiver même les Césaire, les Senghor, il faut les réactiver parce qu'on les a, pour la plupart, on les a tous mal lus et très mal lus. On nous a parlé de Senghor à travers Femme Noire, mais Senghor, c'était pas Femme Noire, Femme Africaine ou Femme Nue, c'était pas ça sa pensée. Il y avait bien plus profond que cela, notamment quand on lit Hostie Noire. Donc, réactiver tous ces discours-là et puis peut-être en espérant que deux ou trois personnes s'en saisissent et puis
les mettre à l'ordre du jour, quoi. Moi, je pense qu'on va y arriver. C'est vrai que notre littérature, de manière générale, manque d'ambition. Mais pour ceux qui se font déjà, voilà, c'est aussi à nous d'encourager. C'est à nous de mettre un peu plus le cœur à l'ouvrage, de se mettre aussi à l'ouvrage, avant même si on y met le cœur, de créer des émissions, des ateliers avec les jeunes pour celui qui nous demandait comment faire. Créer des ateliers, des moments d'échange en fait avec les jeunes autour de soi. On n'a pas besoin d'avoir 15 jeunes, 20. S'il y a 5 jeunes autour de soi, donc ses neveux, faire des moments d'échange. Aujourd'hui, on parle par exemple de Fanon, demain on va parler de Césaire, après demain on va parler de Pierre Claver à Kenenge, on va parler de Rinjambe, etc., d'autres combattants de la liberté, de Sankara, leur idéologie, qu'est-ce qu'ils ont fait, de Lumumba. En fait, je pense qu'on peut le faire autour de nous, on peut le faire dans les collèges et les lycées, on peut le faire en activité de quartier. À nous d'initier maintenant les choses aujourd'hui, en fait, et d'arrêter de promouvoir la médiocrité. La promotion de la médiocrité commence par quoi ? Commence par ne pas dire la vérité sur ce qu'on ressent par rapport à un livre. Ne pas dire que ce livre-là, franchement, enfin, il est nul, quoi. Quand je dis nul, c'est que il y a une mauvaise expression, ça n'apporte rien, que ce soit littérairement parlant, que ce soit intellectuellement parlant, que ce soit même émotionnellement parlant. La seule chose que ça peut apporter, c'est de la colère. Qu'on a du mal à critiquer des couvertures de livres qui ne ressemblent à rien du tout, qu'on a du mal à critiquer des contenus et qu'on soit là toujours avec le pouce, juste encourager pour encourager. Non, encourager, c'est aussi dire aux gens quelles sont les limites, de sorte à ce que les personnes puissent passer ces limites-là et donner le meilleur d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes, pour parler de personnes. Donc, à nous d'être vrais, de promouvoir le bon, le beau, le vrai, et de mettre en place des actions. Et je pense que c'est possible. Il y a des choses à IMIA, il y a des choses dans d'autres structures. Mais go, quoi. Et partageons aussi ce genre de contenu. On partage facilement des vidéos ridicules, des vidéos qui n'apportent rien, en fait. Des vidéos qui apportent un petit moment d'hilarité. Et après, mais partageons aussi ce genre de contenu, parce que nous sommes, je le pense, en guerre contre un système qui fait tout pour nous écraser, pour écraser l'intellectualisme, pour écraser l'éveil citoyen. Et si on n'agit pas, nous qui avons compris, personne ne le fera à notre place. Et ce système, en fait, de la médiocrité va s'étendre, il va proliférer. La mauvaise herbe n'a pas besoin d'être arrosée, hein. Elle prolifère facilement. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On tue l'école, on tue la culture, on tue tout, de sorte à ce que nos enfants soient tellement tarés qu'ils soient faciles à manipuler, qu'ils soient juste du bétail pour des urnes, qu'ils soient du bétail pour tous les services, en fait, qu'ils soient juste recrutés à l'armée pour obéir à des ordres. À nous de créer cet éveil-là, autour de nous, dans nos familles, dans nos quartiers, etc. Et on peut y arriver. Et le presque grand, je voulais parler de la conclusion de Fanon. Je ne sais pas, peut-être Otata avait prévu. Non. Vas-y. Otata, tu avais prévu ? Non, pas du tout. J'ai bien envie de lire quelques parties parce que c'est tellement... Ça m'a vraiment touchée. Mm-hmm. Fanon nous dit de bâtir nous-mêmes notre propre développement, de bâtir nous-mêmes notre système, de nous émanciper en fait de cette envie de l'Europe, parce que l'Europe a montré ses limites. Et j'ai l'impression en fait qu'il parle là en 2021, alors qu'il parlait il y a 60 ans en arrière, quoi. Mais on est toujours dans l'idéalisation de l'Occident. Il n'y a qu'à voir, quand tu reviens de la France ou bien je ne sais pas trop de quel pays, tout le monde te regarde avec admiration, avec envie, on te parle d'une certaine façon. Et nous-mêmes aussi, en analysant comment on prend plaisir à ça, on prend plaisir à promouvoir une Europe où tout est beau, tout est vrai, etc. On prend plaisir à mimer le développement à l'occidental, le capitalisme à outrance.
La dernière fois, je prenais part à une conférence d'entrepreneuriat et je soulevais le fait que l'entrepreneuriat aujourd'hui, au Gabon notamment et en Afrique, est en train de reproduire le schéma du capitalisme à outrance. Ce capitalisme qui écrase l'humain, qui écrase la société, en fait, qui écrase tout autour de soi avec pour objectif de s'enrichir. Sauf que l'Occident a déjà montré que ça ne va pas, en fait, que ce n'est pas bon. On a déjà des exemples d'alerte que ce n'est pas possible. Et Fanon nous le dit, en fait, dans sa conclusion, elle est très belle, la conclusion, je vous lis un extrait. Un extrait, j'ai envie de tout lire, même. Ouais. C'est pas long. Laissez-moi tout lire, s'il vous plaît. Allons, camarades. Il vaut mieux décider dès maintenant de changer de bord. La grande nuit dans laquelle nous fûmes plongés, il nous faut la secouer et en sortir. Le jour nouveau qui déjà se lève doit nous trouver fermes, avisés et résolus. Il nous faut quitter nos rêves, abandonner nos vieilles croyances et nos amitiés d'avant la vie. Ne perdons pas de temps en stérile litanie ou en mimétisme nauséabond. Quittons cette Europe qui n'en finit pas de parler de l'homme tout en le massacrant partout où elle le rencontre, à tous les coins de ses propres rues, à tous les coins du monde. Voici des siècles que l'Europe a stoppé la progression des autres hommes et les a asservis à ses desseins et à sa gloire. Des siècles qu'au nom d'une prétendue aventure spirituelle, elle étouffe la quasi-totalité de l'humanité. Regardez-la aujourd'hui basculer entre la désintégration atomique et la désintégration spirituelle. Et pourtant, chez elle, sur le plan des réalisations, on peut dire qu'elle a tout réussi. L'Europe a pris la direction du monde avec ardeur, cynisme et violence. Et voyez combien l'ombre de ces monuments s'étend et se multiplie. Chaque mouvement de l'Europe a fait craquer les limites de l'espace et celles de la pensée. L'Europe s'est refusée à toute humilité, à toute modestie, mais aussi à toute sollicitude, à toute tendresse. Elle ne s'est montrée parcimonieuse qu'avec l'homme, mesquine, carnassière, homicide, qu'avec l'homme. Alors, frère, comment ne pas comprendre que nous avons mieux à faire que de suivre cette Europe-là? Cette Europe qui jamais ne cessa de parler de l'homme, jamais de proclamer qu'elle n'était inquiète que de l'homme. Nous savons aujourd'hui de quelle souffrance l'humanité a payé chacune des victoires de son esprit. Allons, camarades, le jeu européen est définitivement terminé. Il faut trouver autre chose. Nous pouvons tout faire aujourd'hui à condition de ne pas singer l'Europe, à condition de ne pas être obsédé par le désir de rattraper l'Europe. J'aime trop cette partie. L'Europe a acquis une telle vitesse folle et désordonnée qu'elle échappe aujourd'hui à tout conducteur, à toute raison, et qu'elle va dans un vertige effroyable vers des abîmes dont il vaut mieux le plus rapidement s'éloigner. Il est bien vrai cependant qu'il nous faut un modèle, des schèmes, des exemples. Pour beaucoup d'entre nous, le modèle européen est le plus exaltant. Or, on a vu dans les pages précédentes à quelle déconvenue nous conduisait cette imitation. Les réalisations européennes, la technique européenne, le style européen doivent cesser de nous tenter et de nous déséquilibrer. Quand je cherche l'homme dans la technique et dans le style européen, je vois une succession de négations de l'homme, une avalanche de meurtres. La condition humaine, les projets de l'homme, la collaboration entre les hommes pour des tâches qui augmentent la totalité de l'homme sont des problèmes neufs qui exigent des véritables inventions. Décidons de ne pas imiter l'Europe et bandons nos muscles et nos cerveaux dans une direction nouvelle. Tâchons d'inventer l'homme total que l'Europe a été incapable de faire triompher. Il y a deux siècles, une ancienne colonie européenne s'est mise en tête de rattraper l'Europe. Elle y a tellement réussi que les États-Unis d'Amérique sont devenus un monstre où les tares, les maladies
et l'inhumanité de l'Europe ont atteint des dimensions épouvantables. Camarades, n'avons-nous pas autre chose à faire que de créer une troisième Europe? L'Occident a voulu être une aventure de l'esprit. C'est au nom de l'esprit européen s'entend, que l'Europe a justifié ses crimes et légitimé l'esclavage dans lequel elle maintenait les 4/5 de l'humanité. Oui, l'esprit européen a eu des singuliers fondements. Toute la réflexion européenne s'est déroulée dans des lieux de plus en plus désertiques, de plus en plus escarpés. On prit ainsi l'habitude d'y rencontrer de moins en moins d'hommes. Un dialogue permanent avec soi-même, un narcissisme de plus en plus obscène, n'ont cessé de faire le lit à un quasi-délire où le travail cérébral devient une souffrance, les réalités n'étant point celles de l'homme vivant, travaillant et se fabriquant, mais des mots, des assemblages divers de mots, des tensions nées des significations contenues dans les mots. Il s'est cependant trouvé des Européens pour convier les travailleurs européens à briser ce narcissisme et à rompre avec cette déréalisation. D'une manière générale, les travailleurs européens n'ont pas répondu à ces appels. C'est que les travailleurs ne sont pas crus, eux aussi, concernés par l'aventure prodigieuse des esprits européens. Tous les éléments d'une solution aux grands problèmes de l'humanité ont, à des moments différents, existé dans la pensée de l'Europe. Mais l'action des hommes européens n'a pas réalisé la mission qui lui revenait et qui consistait à peser avec violence sur ces éléments, à modifier leur arrangement, leur être, à les changer. Enfin, à porter le problème de l'homme à un niveau incomparablement supérieur. Aujourd'hui, nous assistons à une stase de l'Europe. Fuyons, camarades. Ce mouvement immobile où la dialectique, petit à petit, s'est muée en logique de l'équilibre. Reprenons la question de l'homme. Reprenons la question de la réalité cérébrale, de la masse cérébrale, de toute l'humanité dont il faut multiplier les connexions, diversifier les réseaux et réhumaniser les messages. Allons, frères, nous avons beaucoup trop de travail pour nous amuser des jeux d'arrière-garde. L'Europe a fait ce qu'elle devait faire et somme toute, elle l'a bien fait. Cessons de l'accuser, mais disons-lui fermement qu'elle ne doit plus continuer à faire tant de bruit. Nous n'avons plus à la craindre. Cessons donc de l'envier. Le tiers-monde est aujourd'hui en face de l'Europe comme une masse colossale dont le projet doit être d'essayer de résoudre les problèmes auxquels cette Europe n'a pas su apporter de solution. Mais alors, il importe de ne point parler rendement, intensification, rythme. Non, il ne s'agit pas de retour à la nature. Il s'agit très concrètement de ne pas tirer les hommes dans des directions qui les mutilent, de ne pas imposer au cerveau des rythmes qui rapidement l'oblitèrent et le détraquent. Il ne faut pas, sous le prétexte de rattraper, bousculer l'homme, l'arracher de lui-même, de son intimité, le briser, le tuer. Non, nous ne voulons rattraper personne, mais nous voulons marcher tout le temps, la nuit et le jour, en compagnie de l'homme, de tous les hommes. Il s'agit de ne pas étirer la caravane, car alors chaque rang perçoit à peine celui qui le précède et les hommes qui ne se reconnaissent plus se rencontrent de moins en moins, se parlent de moins en moins. Il s'agit pour le tiers-monde de recommencer une histoire de l'homme qui tienne compte à la fois des thèses quelquefois prodigieuses soutenues par l'Europe, mais aussi des crimes de l'Europe dont le plus odieux aura été, au sein de l'homme, l'écartèlement pathologique de ses fonctions et l'émiettement de son unité dans le cadre d'une collectivité, la brisure, la stratification, les tensions sanglantes alimentées par des classes, enfin, à l'échelle immense de l'humanité, les haines raciales, l'esclavage, l'exploitation et surtout le génocide exsangu que constitue la mise à l'écart d'un milliard et demi d'hommes. Donc, camarades, ne payons pas le tribut à l'Europe en créant des États, des institutions
et des sociétés qui s'en inspirent. L'humanité attend autre chose de nous que cette imitation caricaturale et dans l'ensemble obscène. Si nous voulons transformer l'Afrique en une nouvelle Europe, l'Amérique en une nouvelle Europe, alors confions à des Européens les destinées de nos pays. Ils sauront mieux faire que les mieux doués d'entre nous. Mais si nous voulons que l'humanité avance d'un cran, si nous voulons la porter à un niveau différent de celui où l'Europe l'a manifesté, alors il faut inventer, il faut découvrir. Si nous voulons répondre à l'attente de nos peuples, il faut chercher ailleurs qu'en Europe. Davantage, si nous voulons répondre à l'attente des Européens, il ne faut pas leur envoyer une image, même idéale, de leur société et de leur pensée pour lesquelles ils éprouvent épisodiquement une immense nausée. Pour l'Europe, pour nous-mêmes et pour l'humanité, camarades, il faut faire peau neuve, développer une pensée neuve, tenter de mettre sur pied un homme neuf. Magnifique. Ouais. Magnifique. Donc, après avoir lu une telle conclusion, ça donne non seulement une idée de ce qu'est peau noire, les damnés de la terre, ce qu'est le style de Fanon et surtout ce qu'est la pensée de Fanon. Ce n'est pas promouvoir la violence, comme on l'a dit, la violence pour la violence. Ce n'est pas, c'est justement sortir de cette violence-là, liquider le reliquat de ce reliquat de violence et tout ce qu'elle a induit comme traumatisme séculaire et finalement inventer autre chose. Malheureusement, tel que se dessinent les choses, où on a maintenant l'érection des trains, des TGV, des TER ou je ne sais pas quoi dans nos pays, c'est difficile de dire que la pensée de Frantz Fanon a rencontré des âmes suffisamment éclairées. Toujours est-il qu'il s'agit de sortir d'une logique, celle du capitalisme sauvage, celle de l'ensauvagement, celle aussi de la domination. Arrêtons de tuer l'humain partout où on le voit, comme l'a fait l'Europe notamment. Donc, voilà, les uns les autres, s'il y a un dernier mot avant de se quitter, on est à 1h52 de live. Je vous laisse chacun clôturer, sauf si la conclusion suffit à conclure, si je puis dire. Bah, je suis d'accord avec Fanon. Inventons nous-mêmes nos utopies, comme on le dit dans le syndicat. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis, partagés, les gens qui suivent souvent après. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Alors, donc, merci à Ansuifri de Tata, merci à Nanda, merci pour cette lecture assez suffisamment édifiante. Je donne un rendez-vous pour le mois de février. Donc, samedi 12 et dimanche 13 février, on va ouvrir un espace de respiration et d'exhortation à l'érotisme et à la sensualité. Donc, nous élaborerons les nuits du désir. Donc, ce sera des partages de textes littéraires, poétiques, en prose, sur la question de la sensualité. Donc, merci à tous et puis on se dit à très bientôt.